Mon petit poney avec 4 joueurs. On va tester donc Tales of Equestria. Ouais, j'ai pas signé pour ça, moi. Hein. Si, si. Si, c'est marqué en patte de mouche à la fin du contrat. Fallait lire, mon bonhomme. Et donc, on va le faire en deux on va faire ce soir en deux parties, à savoir qu'on va d'abord créer des personnages, et puis ouais. Après, bah, avec le temps qui va nous rester, on va commencer un scénario, et si on arrive à le finir, bah, c'est cool, si on n'arrive pas à le finir, bah, il y aura une deuxième partie à la vidéo. Ouais, on va y arriver à le finir. Parce que tous ensemble, tous amis, rien ne peut nous résister. C'est l'idée. Alors, je préviens pour tous les gens qui écoutent et qui sont fans ou pas de Mon Petit Poney, avec les gens que j'ai ici à la table, il est possible qu'on écorne énormément l'univers du jeu. Voilà. On bah, jamais... des licornes. Voilà, c'est... Ça pourra peut-être vous choquer. Je suis pas sûr que ça convienne à tout public, parce que je ne sais pas ce qui va se passer à la table. Voilà, si vous êtes rôliste et jeune parent, regardez les Mon Petit Poney avec vos enfants. Voilà, ça peut vous servir plus tard. Bizarrement, mais mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cet avertissement il m'est un peu destiné en fait. Je veux dire le fait que ce que tu m'as proposé la dernière fois, je veux dire, ouais, je vais mettre un phallus comme marque de beauté, je serai un poney reproducteur, c'est ça? Peut-être. Oh là là. J'ai mal à mon âme, t'as violé mon innocence là, c'est fini. Voilà, voilà, vous êtes prévenus. Non mais c'est une blague. Je sais. Justement. Vous qui entrez dans cette écurie, perdez tout espoir. Donc, Mon Petit Poney, c'est donc une série et des jouets, c'est voilà. Et un jeu de rôle qu'on va jouer ce soir, et on va commencer donc par la création de votre poney. Et la création de votre poney, bah, y a d'abord un type de poney. Soit vous êtes un poney terrestre, soit une licorne, soit un pégase. À savoir que bah justement, le poney terrestre est fort et brave, le Pégase sait voler, et la licorne sait utiliser la magie. Je vais prendre un poney terrestre. C'est simple, hein, vous avez dans votre truc un poney type, vous choisissez de poney, vous mettez ce que vous voulez. On va faire un petit tour après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On va commencer. Par là, mais... Et alors, pour les grands fans de la série, il existe aussi des poneys licornes avec des ailes, mais a priori, ça, c'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est les princesses, et tu n'es pas une princesse. Tu Comment ça Comment ça, je ne suis pas une princesse. Désolé de te le dire, je voulais pas te... Si je ne peux pas jouer une princesse, je vous préviens, je vais retenir ma respiration jusqu'à ce qu'il m'arrive quelque chose. Alors c'est ça ou je vais chanter, c'est comme vous voulez. Voilà. Retiens ta respiration. Bah, tu vas pouvoir chanter, hein, c'est mon petit poney. Hein. Si tu veux chanter, c'est vrai, c'est... je vais pas t'en empêcher. Hein. C'est le pays de l'amitié et des chansons, alors, et de la musique aussi, je crois. Donc, ouais. Alors du coup, qui fait quoi? S'il faut chanter, je suis un poney muet. Donc, je fais un petit poney à faune. Actuellement, donc, on a... Vas-y... Alors, Tlon, donc Vincent, va faire tiramisu, un petit poney terrestre. Pas changé, ça. Tu dois choisir ton nom plus tard. Oui, mais bon, on verra. C'est un peu le dernier morceau, le nom. Moi aussi, je suis terrestre. Moi pas, je suis Pégase. Bah, j'ai fait un licorne, alors. C'est l'idée. Ah, cool. Ouais. Du coup, t'as droit au météore ou pas? Ah bah, j'espère. J'ai 4 sabots. Ouais, mais tu vas t'en prendre plein figure, hein, je dis ça, je dis rien. Votre level, vous êtes niveau 1. C'est étonnant, tiens. Waouh! Ah, sur ma fiche, c'est marqué 0, c'est normal. Oui, mais c'est pour ça que tu vas marquer un 1 à la place en fait. D'accord. Non, mais sur ma fiche, c'est aussi marqué que j'ai pas d'amis, donc. Ça, c'est le principe, c'est une fiche vierge, sauf que il y a des 0 partout en fait. Ah, une fiche vierge, c'est une fiche qui a des zéros partout, merci. Bah oui. Bon. Si tu avais fait des fiches de perso dans Rollissime, tu le saurais. Ah non, mais j'ai sous-traité ça et dans toutes les miennes, il y a des 1 qui s'affichent. Enfin, je dis ça, je dirais. Hein. Ah bah plus maintenant. Plus maintenant. Bon, il vaut, maintenant que vous avez mis votre niveau 1, il va vous falloir choisir un élément d'harmonie et chacun différent. Il y a 6 éléments d'harmonie. Il y a la magie, le rire, l'honnêteté, la loyauté, la générosité et la bonté. Je sais pas pourquoi, mais je sens que la licorne elle va choisir la magie. Mais
pas obligé. Vas-y, moi, je vais prendre l'honnêteté, là. Ça me paraît pas mal. Hein. T'as un rôle de composition, dis-moi. Hein. Ouais, tu vois ça. J'hésite entre le rire et la bonté, donc. Donc tu vas prendre autre chose. Bah non, justement, je prendrai l'un des deux, mais. J'hésite aussi. Je peux être très honnête, hein. Oh. Faut pas croire. On n'en doute pas, hein. Bon, je vais prendre la bonté, je vais essayer de rire à l'écureuil. Mais qu'est-ce que tu dis que je vais prendre le rire, moi ? Le fait que tu te marques comme une baleine depuis tout à l'heure ? Moi ? Mais attends, je suis le sérieux réincarné, jamais je fais de blague de ma vie, écoute. Mon détecteur de troll vient de péter sous mes yeux. Mais Céline, t'as décidé de prendre quoi ? Tu peux... Allô ? Céline ? Oui ? Ah, on t'entendait plus, j'ai cru t'entendre d'essayer de parler et ça a coupé. Ah, c'est peut-être moi qui ai un petit problème de connexion. Non, non, son salupiote s'allume, mais elle parle pas. Ah, d'accord. Enfin, ça a l'air de revenir, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Je sais pas pourquoi, cela n'a plus fonctionné. Je disais, j'hésite, mais c'est possible de répéter la liste par hasard? Tout à fait. De la mettre dans le chat, même. Ah, oh oui, encore mieux. Alors, il y avait magie. On va quand même pas partir ce pauvre chat, quand même. Commun, chat commun, le chat commun, je vais le marquer. Hein. Magie. Attends, j'ai déjà. Ah ouais, ouais. Il va plus vite que moi. Il y avait... Moi, j'ai pas mis les accents. Hein. Bah si, tu l'as mis à loyauté. Ouais. Alors, a priori, on aurait déjà une honnêteté, une bonté. Bah, je prendrais la loyauté alors, je pense. Parce que la générosité me tente moins. Tu fais ce que tu veux, hein. Ouais, tu restes le rire aussi, hein. En même temps, tu peux difficilement traiter de pain un poney qui a. Je vais prendre le rire en fait, hein. Je pense que c'est mieux. Ça va être plus... Ouais, moi, je pense que ça. Je sais pas pourquoi, mais ça te correspond un peu plus. Quelque chose qui. Je crois que je vais prendre magie, moi. Bah, tu feras de la soupe, c'est bien. Ah, du coup, si l'honnêteté est dispo, je vais prendre l'honnêteté. Bah, vas-y. Bah, à vrai, on peut prendre plusieurs fois le même, je pense, non ? Non, c'est ce que je disais, des différents. Ah ouais. Avec un truc différent. Moi, je trouve que le jeu est très dirigiste dans ce jeu, quand même. Moi, je pourrais dire que la mélodie devrait être une harmonie, mais bon. Bah, non. Mélodie, ça a quand même plusieurs harmonies, normalement. Hein. Mélodie. Tempo, harmonie. Désolé. Pas vrai. Désolant. Bon, bah, a priori, tout le monde a son élément d'harmonie. Voilà. Pour ceux qui ont une vraie ligne internet, hein, allez-y. Je vous donne le lien. Voilà. Ah mon dieu, il y a des jetons. Oui, c'est pour tout à l'heure. Alors, sont-ce des vrais ou des faux jetons ? Des jetons d'harmonie. Enfin, des jetons d'amitié. Ouais. Et donc, après, une fois qu'on a notre élément d'harmonie, on fait quoi ? Ah, je regarde si tout le monde l'a bien mis. Ouais, c'est bon. Alors, après, il faut que vous me dites par rapport à votre poney si vous pensez que c'est plutôt un poney qui est plutôt physique ou plutôt basé sur l'intelligence. Voilà. Et il n'y a pas le charme ? On y reviendra après. D'accord. D'abord, plutôt strong ou plutôt brain, en gros. Donc plutôt force physique ou plutôt force mentale, quoi. Brain. Ouais, physique, allez. Alors, physique, ceux qui prennent physique et qui n'ont pas un poney terrestre, ou qui ont un poney terrestre. Alors, on va faire hobby d'abord. Hobby, poney terrestre, physique. Ouais. Alors, c'est simple. En body, donc en corps, tu me mets un D8. Et en mind, donc en intelligence et tout, tu me mets un D8. Et en charme, comme tout le monde d'ailleurs, vous pouvez tout de suite mettre un. Okay. Après, donc Arctic Spark, SLN, le Pégase, plutôt Brain ou Strong ? Ah, je serais tenté par le Body, mais j'hésite encore. Mais de base, c'est pas facile ouais, à tirer un Body. Hein. Pas le Body, je pourrais être super rapide. Mm-hmm. Et quand on vole, ça peut être fun. Ouais, mais si tu es super rapide, c'est que tu vas avoir une cape, et c'est dangereux les capes. Ah, mais c'est pas grave, je la mettrai en ruban sur ma queue. Euh...
Donc, comme on disait, cette partie est sponsorisée par Le Bon Goût. Mon Dieu. Cette partie vous est offerte par Durex. Bon. Ta-da. Vous avez vraiment l'esprit très très mal placé. Ouf. Ouais. Donc, ouais, plutôt donc, physique ou plutôt mental ? Sur le OD, au pire, hein, si tu hésites. Elle dit qu'elle voulait tuer par rapide, a priori. Oui, mais elle hésitait, en fait. Donc... Bon, pendant ce temps, comme j'ai pas de réponse, je vais passer à Plon. Non, moi, j'ai dit c'est physique. Ok, sur corps, tu mets un D6 et sur mind, D4. Plon, le poney terrestre. Poney terrestre, bah, je vais faire l'antique de Hobby, alors je vais prendre en... Plon intelligent ? En mind, ouais. Donc, tu mets un D6 en mind. Et tu mets un D6 en body. C'est bien parce que tu m'as mis un D6 en body avant que je te le dise, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, je suis monsieur D6. En gros, les poneys terrestres ont un dé de plus sur le corps que les autres, en fait. Ils sont pas du tout cheatés. Bah, vous volez. Il y en a qui volent et qui ont de la magie, eux, ils sont au sol. Vous avez déjà les dés qu'on a. Alors, c'est bon, quoi. Oh, oui. Enfin, un dé de plus, notre dé a une valeur supérieure, c'est tout. Ouais, ouais. Monsieur l'écureuil. Ouais. Plutôt strong ou plutôt brain ? Brain. Bah, c'est simple, hein. D6 en mind, D4 en body. Donc, ouais, je suis avec la version anglaise du jeu. Hein. Tu vas faire une petite chose fragile. Ok, bon, le charme, c'est bon. Donc, stamina ou les points de vie ou l'adrénaline. Donc, vous commencez tous avec 10, sauf les poneys terrestres qui ont 12. Encore un stamina ? Ouais. Ouais. C'est dégueulasse. Hein. Ils sont vraiment privilégiés. Ouais, ils sont vraiment cheatés. Ouais, alors ça y est, tout de suite. Ouais, les poneys terrestres, une caste d'élite. Si ça se trouve, c'est des macronistes et tout. Ouais, enfin, c'est... Ouais, ou pas. On verra. Okay. Après, on passe sur les temps. Alors, de base, vous avez tous un talent lié au fait que vous soyez par rapport à votre... de poney, donc on va commencer par cela. Aussi. Mal. Donc, déjà, vous commencez tous avec un talent. Donc, pour les poneys terrestres, vous avez le talent, ça va être cœur robuste. En gros, dans talent, le tableau où il y a marqué CM, vous mettez corps robuste. C'est corps ou cœur ? Cœur robuste. Le jeu, c'est stood heart, donc. Ok. Grosso modo, on a le cœur bien accroché. Courage ? Ouais, c'est un peu ça. Tu peux le traduire comme ça aussi. Et entre parenthèses de ce talent, un D6. Pour les licornes, c'est télékinésie, et pour les pégases, c'est vol. Et à chaque fois, vous mettez entre parenthèses un D6. Ah, c'est télékinésie. Ouais. It's magic. Ok. Tac. Et les autres, c'est plus tard quand on gagne des niveaux, c'est ça ? Alors, non, justement, il va en avoir un autre. Tu peux mettre courage entre parenthèses un D6. Vous avez un autre talent qui est lié en fait à votre marque de beauté. Alors, il va falloir choisir en même temps la marque de beauté et votre talent. Et ce talent, bah, c'est vous qui le choisissez et il commence avec un D6. Mais après, vous pouvez choisir aussi d'augmenter le talent de base que vous avez. Peut prendre un fer à cheval et être chanceux tout simplement, ou un trèfle à quatre feuilles, un trèfle. Ah, mais complètement. Ouais, je vais prendre ça. Ouais. Allez hop, trèfle à quatre feuilles. C'est quoi le concept de marque de beauté en fait ? Alors, la marque de beauté, quand tu es un jeune poulain et que tu grandis, à un moment, tu vas trouver quelque chose pour lequel tu es très bon et que tu aimes faire. Et ça va déterminer ta marque de beauté, ta place dans l'univers du monde des questions. Bien, c'est le truc que tu aimes faire. Par exemple, imaginons, je sais pas, ça va être un coussin et un matelas, tu vas être testeur de matelas professionnel. Ok. Et en marque de beauté, on peut choisir L'Oréal ou Nivea ou... tu toucheras à rien si tu fais ça, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Et voire même, il y en a un qui va peut-être se faire démonétiser ses vidéos, hein, donc tu te démerdes avec lui. Hein. Bah, elles le sont pas, donc c'est pas grave. Hein, mais... Oui, mais... Alors, qu'est-ce qu'on... Chanceux, un D6, hein, pareil, sur le truc. D'accord. Pour choisir sa marque de beauté.
Ouais, il faut choisir sa marque de beauté. C'est vraiment un petit budget, hein. Pourquoi tout le temps du D6? Bah parce, ouais. parce que c'est le début du jeu, hein. Je veux dire, tu serais très, t'aurais plus de skill, tu t'auras peut-être un D20. Hein. Ouais. Ouais, parce que les jeux en D6, c'est pas des jeux de rôle, quoi, tu vois, donc c'est... Il y a beaucoup de jeux qui seraient pas des jeux de rôle, putain. je verrais bien un truc lié à la musique, genre avec un ocarina. Et tu peux, hein. Et justement, le temps, ça serait... Off time, avec une montre. Réconforter avec musique, avec un D6. Bah, tu sais, tu pouvais mettre tout simplement que t'es en musique, hein. Musique, c'est un peu... Ouais, musique, le talent, hein. Musique, après, à toi de voir comment tu vas lutter. Ça peut être assez générique. Et si ce que j'aime faire, c'est voler? Vas-y, hein. Je m'en fous, hein, je m'adapte. Tu prends vol avec un D6. Bah, tu mets des ailes, ouais. Mais j'ai déjà vol avec un D6. Bah, tu l'augmentes. Bah, si tu veux... Je ce que j'ai dû augmenter. Ouais, ça passe sur un D8, si tu veux l'augmenter. Ah. Du coup, c'est tentant. Du coup, pour toi, c'est un jeu de rôle. Non, mais je serais faire moins de choses, mais je serais plus spécialisée. C'est vrai. En fait, imagine si ça se passe dans une grotte et tout ça, que tu peux pas voler, en fait. Ah, je vais peut-être plus nager, alors, comme Marc. Et je serais le seul à savoir nager. Et, et l'écureuil, tu prends quoi comme talent? Je sais pas encore. Eh ben, tu peux te mettre le talent indécision, un D6. Ça, c'est le truc en dessous. Bon, après. Des défauts, un truc comme ça. Ouais. J'essaie de me souvenir de Cox. Pour qu'est-ce que je pourrais prendre? Pouvoir magique, mais évidemment. Ah bah, complètement. Hein. Ça peut être clairement un pouvoir magique. Hein. Bah, boule de feu, classique, quoi. On sent les mecs. On part en donjon, les gars. Allez, prends boule de feu. Vas-y. Et je peux invoquer des trucs? Ah, dis toujours. Il veut invoquer des écureuils. Techniquement, il n'y a rien qui l'en empêche. Ça ne veut pas dire qu'ils vont t'obéir. Hein. Mais. Ça va pas être boule de feu, ça va être nuée d'écureuils. Ils viennent vers moi. Ah, mais. Le concept de mes écureuils scouts, ça te va ou pas? Vas-y, hein. Vas-y. Je vais venir deux écureuils. T'as invocation d'écureuils scouts, vas-y, si tu veux. De toute façon, il a prévu un champ avec 30 000 pièges à écureuil, donc... Bon, c'est bon pour tout le monde, donc on a chanceux... Moi, je vais choisir de chasser les nuages. Ah, vas-y, hein. C'est sympa, ça, chasser les de nuages. De la musique. Écoute, surtout si on organise des barbecues à l'extérieur, c'est vachement intéressant. C'est un peu en fait le concept des Pégases, c'est qu'ils contrôlent le comment s'appelle météo. Le temps, la météo. Je peux prendre météorologue du coup en talent. Bah, à la place de chasser les nuages si tu veux, ouais. Ça ne me gêne pas. Et à la limite, mettez quelque part à quoi ressemble votre marque de beauté. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre un texte au moins. Dans Quirk en bas, le dernier truc dans Quirk, histoire que je puisse passer de l'un à l'autre et voir c'est quoi les marques de beauté. Si... il faut quelque chose en rapport avec ça. La marque de beauté, c'est un truc sur le corps ou c'est... Ah ouais, c'est un truc que t'as sur la croupe. Si on te gratte à cet endroit, tu tires la langue et tu t'en mets la tête en arrière. Non. Tu vois Chrome que j'ai noté. Ah ouais, j'ai vu. De toute façon... les chats, c'est ce qu'ils font, hein. Mais t'es pas un chat. Oh, c'est pas loin. Hein. T'as pas vu la caméra en roue, mais... Alors, que je regarde. Tac, donc pour Obi, c'est bon. Pour SLN, c'est bon. Pour Tlon, c'est bon. Reste pour l'écureuil. L'écureuil. Ouais. Pendant que tu réfléchis, je passe à la suite quand même pour les autres. Et après, on reviendra s'il faut sur toi. Donc, Quirk, donc une bizarrerie, quelque chose de chelou chez vous.
Ouais, mais c'est justement, qui... non, c'est c'est pas les words, c'est pas des trucs bizarroïdes, chelous, etc. C'est des bizarreries mignonnes, en fait. Tu as des exemples de quirk? Ouais, une seconde, je suis en train de me remettre sur la page, j'étais sur la page, il y a une seconde. Hop. Allergie, asthme, peur... Ah oui, c'est mignon, hein. Ouais, besoin de lunettes. Oh, ça brille! Enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. Qui brille! Oh, bah, je suis un poney terrestre, comme je vais prendre vertige. C'est pas très drôle pour un poney terrestre, hein. C'est plus rigolo pour un Pégase. j'ai hésité. Il y a naïf, It's Freaks, Overconfident. Alors ça se met où ça, tu dis? Le quoi, Quirk? Ah, c'est dans les Quirks? Dans les trucs Quirk. Ah ouais. Quirk. Il y en a donc un. T'as raison, Vertige, c'est con pour les terrestres. Oui, il faut que ça soit rigolo quand même, qu'on le joue. Moi j'ai pris, hein, moi ça y est. Tu as peur de mettre tes sabots dans la boue. Un dé, il y a quelque chose? Non, non. Je suis en train de la faire même. Tête de piaf, je pense. C'est-à-dire? Pas de mémoire, t'as un bec. Non, j'hésite, mais je pense bien le poney qui fait. Oui, alors nous devons faire ça, c'est super. Oh, ce papillon, il est trop joli! Ne t'inquiète pas, je vais chasser ce méchant démon qui... Oh, quel joli papillon. C'est cela. Vous inquiétez pas, cette tapette, vous ne la sentirez pas passer. Oh, Monsieur Tlon, vous l'avez déjà, vous, hein, ce défaut. Donc, Mais c'est pas vous. Bon, allez, j'ai pris Overcident, je suis trop confiant. Mais si, ça va passer. Ouais. C'est naturel, hein, j'ai envie de te dire. Hein. C'est un défaut argentin, ça. Oh, c'est moche. N'empêche que dans la fiche de perso, il manque pour la culte, il manque un emplacement, c'est chiant. Oui, mais bon, c'est rien. Oui, alors t'avais qu'à être là avant pour t'en plaindre parce que ça a déjà été. Je m'en plains quand je veux, Little John. Ta gueule tranquille. Et pendant ta gueule. Moi, je sais pas trop quoi choisir. Douiller, ça marche? Oui, bien sûr. Et on peut apprendre plus que 1? Non, pour l'instant, on va déjà rester à 1. Histoire que tu sois pas en PLS dans une caravane à attendre que ça passe. Bon, j'ai changé mon nom, je m'appelle donc Arina, avec ma marque de beauté et tout. Bah avec mon queer qui est ma marque de beauté, je m'appelle Claudie. De toute façon, on va refaire un petit tour de table et surtout. Okay. Donc, après, normalement, vous êtes censé dessiner votre portrait et votre marque de beauté, sauf que là, sur Listim, bah, vous pouvez pas dessiner sur votre feuille pour le moment. Hein. C'est scandaleux! Ah bah, d'ailleurs, c'est une fonctionnalité qui manque clairement au logiciel. Alors, hein. Clairement, si je l'avais su, j'aurais pu le faire. Mais. À ça, je rajouterai juste une seule chose. Après, donc normalement, il y a le nom de votre poney, ce que vous êtes en train de faire, en fait, quasiment tous. Et après, je vais vous dire combien vous avez de pognon. Parce qu'en plus, on a du pognon au jeu. Ouais. Et le friendships, c'est quoi? J'arrive en dernier. Je crois qu'on aura fini ça. Les tokens. Je veux dire friendship. Que mon petit poney est un jeu capitaliste. On gère du pognon. Et c'est où qu'on le marque, ce pognon? Parce que je vois nulle part. Et justement, c'est pas, il y a pas d'endroit pour le marquer. C'est con, hein. C'est scandaleux. Bah c'est la qui est comme le mec ça. Qui a fait le mec qui a fait la feuille de jeu quand même, il est tout pourri. Hein. Bah c'est pas un rôliste, hein, parce que le pognon, c'est du pognon. C'est important. Vous commencez normalement avec 400 bits. La monnaie c'est des bits. J'ai rien dit. Voilà, ça, 400 bits, c'est même pas un vrai multiple de 2. Mais ces bits c'est le mot anglais pour rythme en fait, enfin, le battement quoi. Non, B-I-T-S. Ah ouais, d'accord. Alors. Et dans la monnaie, tu as 12 pence qui font un shilling. Est-ce que 8 bits, ça te fait un octet? Non, mais on sent qu'il y a un informaticien. Hein. Je veux dire, même plusieurs ici. Ouais, vite fait, quoi.
La question c'est, vous voulez quoi comme équipement pour votre personnage? Je vous dis combien ça coûte et vous le déduisez, vous marquez dans un coin votre équipement. Une armure de plaque. Complète. Alors, l'armure... J'avais vu, en plus il y a le prix des armures. Hein, parce qu'il y a des armures dans ce jeu, waouh. Non, pas des, il y a des armures dans le sens où tu dis ça ressemble à quoi, et je te le dis. Mais c'est 200 bits l'armure de poney complète. Ah ouais. En métal. Un instrument en fait. De musique, c'est bien en bits. Et ça équivaut à deux points de vie en enfin, ça limite la perte de 2 points de vie, exactement. Ça dépend, mais... parce que si c'est un instrument 8 bits, par exemple, c'est pas terrible. Un instrument de musique, ça coûte combien en bits? 50, voire plus, ça dépend de lequel. Non, je vais prendre justement un objet, un truc ça que dépend tu peux lequel transporter facilement si c'est un truc assez petit, oui, c'est 50. 50, allez hop, j'en suis à 350. Je pense que je garderai le reste de mes bits. Alors le sac à dos, je considère que vous l'avez tous. Hein. Alors avec tout un tas de matériel pour allumer du feu, une tente. Ouais, alors t'as pas un sac à dos en fait, t'as une charrette à ce niveau-là. Bah, ça dépend de la tente, écoute. Avec une tente qui échoue, tu peux la mettre sur ton sac à dos, écoute. Décathlon n'a pas encore ouvert de session dorsale avec Castria. C'est l'idée. Et attends, je suis une licorne, je vais dire, une tente quand même, voilà, c'est. Mais quel est ton secret? Bah oui, les licornes. Bah écoute, moi je dis, si tu veux connaître mon secret, c'est Tintin, voilà. Tintin, ça veut dire que tu lui diras pas son secret? C'est ça. Bah en tout cas... Est-ce que c'est possible d'avoir un sac à dos avec un pack de base, genre, je sais pas moi... Mythos du donjon? Bah voilà, par exemple, avec des potions de soins. Il y a des potions de soins. Écoute, non, il n'y a pas de potions de soins. Bon, après, j'ai des kits, donc si tu veux, un kit de, en gros, d'aventure, on va dire, hein, parce que ça va être de ça. Bah, ça va être 50 pièces, avec tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. Ouais. Si je nettoie Céline, je prendrai un kit main libre parce que je te signale que. Oh, t'as des kits d'art, kit de nettoyage, kit de pour bouffer, kit de déguisement. Ah, moi je vois un kit de scoutisme en fait. Enfin, pour le camping quoi. Ouais, bah ça va être 50 aussi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi l'objet le plus rare dans tous les bouquins de donge est-ce qu'il y aurait un télescope ou une longue vue? Ouais, c'est 50 le télescope. Ah bah je sais bon. Et on marque où l'équipement en fait? Ah oui, c'est ça manque. Ça manque un peu c'est dans ce que c'est ce que je vous ai dit, vous débrouillez à la limite, vous ouvrez votre chat perso et vous l'écrivez dedans. Je le chat que vous avez avec de notes. Voilà, vous ouvrez un truc de notes et vous le marquez. Alors, j'ai oublié comment on faisait des notes là-dedans. Nouveau notes. Ah. Alors. Après de toute façon, vous aurez tout le temps de refaire des courses s'il y a besoin. En tout cas, ta note du lecteur du manuel, c'est 1 sur 10. Hein. Voilà. Quoi? Je lui ai donné une note. Tu vas mourir? Et moi? Oui. Bah pourquoi j'ai utilisé les notes là? Dans tous les cas, moi j'achète pas d'équipement. Je garde ma thune. Ouais. Je vais les passer sur un compte. Juste un kit banque. Aventurier et un ocarina. Le reste va bien, de toute façon, j'ai trop confiance en la suite des aventures. Ouais, non, je voudrais quand même un truc. Je voudrais un paquet de guimauves, s'il te plaît. Vas-y, c'est une. C'est un. Tout va bien se passer, on a un paquet de bits. Il y a des centimes de bits ou pas? Non, il n'y a pas de centimes de bits. ça pourrait. Non, mais le prix du repas simple, enfin non, du snack, c'est 1. Et le prix du repas, c'est 3. Et le kit de ce nettoyage, en fait, il comprend de quoi se curer les sabots et se brosser les dents, parce que pour un pégage, c'est important, avec les moucherons... Tu veux, si tu me dis qu'il y a, moi, ça me va. Je vais pas t'embêter avec ça. Mais du coup, quand tu voles, t'as des lunettes en plastique sur les yeux pour pas avoir... Ouais, c'est des... ça, j'allais dire, t'as des lunettes. Oui, c'est ça, je peux avoir des lunettes. Bah, contre 10. Alors, est-ce que je peux avoir un chapeau de scout aussi? Ouais, bah c'est dans ton kit, hein, c'est bon, ouais. Des lunettes de vol style aviateur. Tu l'as volé de la Première Guerre mondiale, c'est tout. Ah oui, oui. Et avec le casque aussi, pour le vol? Bah, ouais, casque et lunettes intégrées. Ouais. Quoique, attends, dans le casque, je crois que c'est beaucoup plus que ça. Enfin, ça dépend, tu veux qu'il protège ou qu'il protège pas? Il y en a qui protègent, ça dépend du prix. C'est grand, ça. Il pète au casque.
Le casque comment qui t'as protège, trop la classe, c'est 50. Bah écoute, je vais avoir un casque qui protège, mais c'est un casque d'aviateur avec les lunettes de vol et l'écharpe. Oh ouais, attends, avec l'écharpe, c'est plus cher. Hein. Ouais, mais avec l'écharpe blanche, ça lui donne un côté petit prince et tout. Par contre, attention, le casque, ouais. Non, ça va pas être. Non, Médis, ça sera pas un qui protège parce que, en fait, ça diminue ton champ de vision et je pense pas que ça soit l'idée là. Ah oui, non, non, bah c'est bien, j'ai plus d'argent du coup. Oui, enfin, pour ce que ça va servir. Donc, On peut s'acheter du foin de qualité. Vous commencez. Alors, je pense que tu achèteras ta bouffe sur place pour le coup aussi. D'accord. Vous commencez tous avec, on est combien? On est 5. 5 tokens de friendship, donc dans friendship, vous pouvez mettre... Ah, cool. Ouais. Mais du coup, moi, comme je suis douillé, j'ai pas plus d'argent, parce que j'ai récolté les pièges jaunes. Ah là, voilà, voilà, voilà. Ah, faute, pas quand je suis en train de boire, Obi. Alors, attends, est-ce qu'il a la compétence judo gratuitement aussi? Oui, bah oui, c'est important, ça. Alors, attends, il faut aussi une ceinture, hein, pour aller avec, hein. Et eh bah ben non. En tout cas, il a déjà le physique, il a un D8 body quoi. Donc bon. Et ben oui. En dehors de l'équipement, la seule chose qui reste à faire. Alors, les tokens de friendship, comme je disais, vous en avez tous 5, ça permet contre des tokens, vous pouvez relancer des dés en fait. Ok. Je reviendrai plus tard en plein jeu s'il faut dessus, mais là, ce qui je vais revérifier pour pas me tromper sur les tokens de friendship, mais ce qu'il faut surtout, c'est que vous me trouviez comment vous vous connaissez et pourquoi vous allez à Poneyville. Parce que aujourd'hui, vous allez arriver à Poneyville pour la première fois de votre vie, la seule ville d'Equestria qui est, entre guillemets, multiraciale, c'est-à-dire qui accueille sans distinction et qui est fait pour aussi bien les poneys terrestres que les pégases, que les licornes. Alors que les autres villes sont forcément plutôt à majorité d'une autre race. J'y vais parce qu'il y a un cours de musique, forcément. Oui, mais vous y allez ensemble. Ah bon ? Que vous vous connaissez et que vous êtes amis. Donc il y a une raison pour laquelle vous allez tous ensemble. Vous voulez pas monter un groupe de musique ? Moi, ça me va. Hein, moi, je m'en fous. Hein, c'est... Y a pas, y aurait pas du sport ou un grand concours auquel on aurait tous un rôle à jouer et on serait une équipe ? Ah mais complètement, si vous pouvez arriver pour une... C'est les Jeux Olympiques d'Equestria. Oui, voilà. Alors, les Jeux Olympiques, non, mais ouais, il peut y avoir... Il y a des Jeux à Equestria. Les Jeux Equestria. Voilà. Les Jeux Olympiques. Mais ouais, okay. T'as le triathlon d'Equestria qui est musique, sport et penta, vol. Penta. Mais ok, il y a une fête avec des Jeux... avec plusieurs concours. Bah, ouais, ça me va, moi. Cool. La fameuse fête d'Equestria. Enfin, de Poneyville, pardon. Poneyville, vous allez. Ah si, il y a un dernier objet que j'aimerais acheter avant de partir. Il y en a un qui a un train de retard, c'est bizarre. C'est quoi? Non, mais je voudrais une boussole. C'est dans ton kit de bidule, là. D'accord, ok. Le scout. Ouais. Ou les bons scouts ou une boussole. Sauf ceux qui sont morts dans la forêt. Alors, juste en termes de technologie, ça couvre autant de la technologie qui est, je dirais, moyenâgeuse à de la technologie actuelle, hein, Equestria. Il y a des trucs qui n'existent pas, il y a des trucs qui existent. L'électricité n'existe pas, par exemple. Alors, est-ce que les licornes et les pégases existent? Il n'y a pas de guitare électrique? Devine. Bah, en fait, si, il y a des guitares électriques, il y a même des sonos. Mais il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien qui produit de l'électricité, donc c'est de la magie. C'est GCM. Donc, bah voilà. Je peux m'acheter une guitare électrique magique? Ouais, ça va être sans couronne, je pense. Pour le coup. Tu veux pas sans couronne? Des couronnes On le déduit du pot commun. Non, bon, regarde. Touche pas la cornemuse. La cornemuse, non, c'est trop... Non. Bah, si, au moins tu sautes sur tes sabots et tu souffles. Ou alors, une paire de cymbales à chaque jambe, et puis voilà. Ouais, c'est vachement cool de jouer de la guitare électrique quand t'es un petit poney, t'as même pas besoin de... Après l'homme orchestre, le cheval orchestre, t'as juste ton sabot, quoi. Oui, t'as pas de pouce, je te rappelle aussi. C'est vachement pas facile de jouer de guitare. Oui, t'as pas de doigts, donc ça va être dur de faire les accords. Il a une langue très mobile. C'est pas donné à tout le monde. Donc, oui. Du moment que j'ai de la guimauve. Alors,
dernière petite chose, les tokens d'harmonie, enfin de friendship, excusez-moi, tokens of friendship, donc bah, c'est simple. Un jeton d'amitié, vous pouvez relancer un jet. On ignore le résultat et on relance. Pour deux, vous pouvez relancer aussi un jet, mais vous le relancez sur un D20. Et pour trois, bah, vous réussissez directement automatiquement. Ok. Ouais. Enfin, c'est des objectifs, la question, tu nous dis comment en dépenser, mais on en gagne comment? On en gagnera pas là. Voilà. Ça, c'est, faut dormir. Ah, c'est à fond perdu quoi. Non, c'est normalement t'en regagnes en fait à chaque nouvelle aventure et tu peux en avoir des nouveaux. Enfin. Et par contre, vous avez carrément le droit d'utiliser les vos camarades sont d'accord d'utiliser les tokens de vos amis. Parce que ça faut sauver. Ah ouais, donc on peut filer nos tokens à un ami au cas où il est dans la merde. C'est l'idée. Ouais. Ah, c'est fantastique, on peut. C'est beau. Bah, c'est une sorte de point d'ancienneté quoi. C'est bon, on a compris. Alors tout le monde ne joue pas et ne suit pas la campagne COPS. Hein. Bah, ça va. Mais c'est parce que nous sommes des amis soudés, qu'à rien ne résiste à l'amitié. Un gros sac de noix et de gland, ça coûterait combien? T'es encore sur les achats, toi. Ouais. Ouais, si parti, il va y rester. Ok. Alors après, je peux aussi, par moment, pour réussir certains... certaines actions, je peux vous dire, ouais, bah, contrat token d'amitié, ça va marcher. Ou je peux vous faire des fois des petits prix comme ça sur certaines choses. Par exemple, imaginons, tu me dis que vous avez besoin d'une corde à un moment, vous n'avez pas acheté, vous peut-être contrat token d'amitié, je peux vous dire que vous avez quand même la corde pour vous permettre d'avancer en fait. Okay. Voilà. D'accord. Et la question est, est-ce qu'il y a des achats en ligne pendant la partie avec ta carte bleue? Pas avec la carte bleue, seulement si je reçois des framboises fraîches. Voilà. C'est combien de bits le point de friendship? Parce que... Je peux pas en acheter. Alors, j'essaie de trouver jevendsdesframboisesfraîches.org. Alors, je change mon pouvoir, c'est... Mon pouvoir, c'est de faire apparaître des framboises fraîches chez le jeu. Et est-ce qu'ils veulent des échelles et des perches de 3 mètres? Alors, j'ai vu l'échelle, ouais, il y a le prix de l'échelle dans le truc. Et de la perche de 3 mètres? Il y a tout pour faire un donjon dans... Non, il n'y a pas de truc de 3 mètres. Et pourquoi, tu veux le prix d'une échelle? Alors ça coûte combien pour que le jeu nous tende une perche? Dépend où tu vas la prendre. C'est cher. C'est une bonne réponse. Bon bah bien. Vous me dites quand vous êtes bon et on commence. On va enfin commencer la partie, sauf si l'écureuil demande où on en est. On en est où? Ou s'il a encore des achats à faire, hein, parce que... Ah oui, parce qu'on est unis par le pouvoir de l'amitié. Tout à fait. Ah oui, bien sûr, il y a des échecs et des réussites critiques. Hein. Si vous faites un 1, vous allez vous prendre un échec critique. Et si vous enchaînez le max, le dé explose, en fait, tu passes au dé suivant. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alors, par exemple, si tu as un dé 4 et que tu fais 4, et bah, tu relances un dé, mais sur un dé 6. Et tu gardes le meilleur des deux résultats. Voilà. C'est quand je vais vous demander un jet, ça va être il faut faire au-dessus ou égal à la difficulté, sachant que normalement le jet facile, très facile est à... Et après bah ça monte au fur et à mesure. Difficile, c'est censé être 6. Puis ça peut monter jusqu'à 20. Ah ouais, alors le truc c'est que un jet difficile, si t'as un jet facile, si t'as un D4, c'est une chance sur deux quoi. Non, ouais. Ça, c'est un jet très facile. Facile, c'est trop. En fait, c'est... Il faut faire supérieur à la difficulté du jet. C'est ça. C'est ça. Supérieur. Est-ce qu'on peut s'entraider? Complètement. Ça fait quoi quand on s'entraide? Ça donne du bonus aux autres? En fait, ça va dépendre de la situation. Mais ça peut être autant que... Alors, si je me rappelle bien, parce que pour le coup, c'est... pas marqué ici, mais de mémoire, ça c'est soit je crois que c'est tu montes la difficulté, tu montes le dé en fait par personne qui s'entraide. D'accord. Ah, donc ouais, si je fais un D6 mais qu'on m'aide, je passe à un D8 quoi. Voilà.
Ok, et il faut pas que les joueurs qui entraînent lancent le dé. C'est un seul jet. C'est ça, mais, il n'y en a qu'un okay. seul qui lance le dé. Ok. Bon, ben. Prêt pour rentrer à Poneyville ? C'est combien mais le après, péage ? C'est pas forcément toujours. Voilà. Alors, il n'y a pas de péage à l'entrée de Poneyville. Et en tout cas, vous arrivez, et en effet, il y a des préparatifs pour les jeux. Ouais. Et tout le monde a l'air occupé. Vous arrivez en train. De faire quoi ? Hein ? En train de faire quoi ? Non, en train. T'as le truc avec des wagons. Oui. Alors, on arrive à la gare, alors. Dans une bétaillère ou est-ce qu'on voyage en non, bah, place, hein. Bah, c'est vous qui avez payé, hein, vous, à vous de me dire hein, si vous êtes des rats ou pas. Hein. Vous vous démerdez, hein, c'est pas mon problème. Ah non, on est des poneys, on n'est pas des rats. J'ai un peu de mal avec le concept de mettre voyage en première classe avec des sièges alors qu'on est des poneys. Parce que le siège, c'est fait pour les humains, normalement. En fait, ça les... dépend de la place que tu as pour poser tes sabots. Soit tes ah, sièges... d'accord, ok. On voit la personne qui travaille, qui va beaucoup en train. Ah, moi, j'ai pris de la première. Hein. Mais elle, il est hors de question qu'elle soit en dorlerie. Hein. En dorlerie ? En dorlerie. En dorlerie. Et en fait... Bon, bah, de toute façon, si Claudie Mine va en première, moi je vais suivre Claudie Mine, il est hors donc de question. Donc vous y êtes tous. Que... Hein. Mais du coup, si on te donne un mort à mordre et que tirer avec une corde, tu peux se faire cerf-volant, non ? Pour le train. Si on te met une corde autour du cou, toi aussi tu peux le tirer en galopant. Oui, oui aussi. et si on passe sur un t'es pendu. Non, non, mais moi je demande parce que je suis curieux, tu vois, je... Ouais. J'ai jamais d'elle, moi, tu vois. Je réponds parce que je suis honnête. Dans tous les cas, vous êtes arrivé à Poneyville. Alors, Poneyville, c'est une petite bourgade assez sympathique qui est dominée par un château de cristal qui appartient à la princesse Twilight, qui est la dernière princesse qui est apparue à Equestria et qui a sauvé le royaume un paquet de fois. Bah voilà, le jeu, lui, il a le droit de jouer des princesses, mais des joueurs, non. Je joue 4 princesses, hein, attention. T'es jaloux, hein. Ah ouais, alors c'est pas seulement le jeu de jouer des princesses, mais il les joue toutes les 4, en fait. D'accord. Ça doit être compliqué, les réunions des 4. Hein. De la diplomatie high level, quoi. Dans tous les cas, les gens s'affairent soit à installer, soit vont à leurs activités. Ouais. À quelle heure aura lieu la cérémonie d'ouverture ? Oh bah va avoir lieu dans la soirée en fait. Il faut pas louper ça. Oh, il doit être 14h. On est déjà venu Non, à c'est la première fois que vous êtes arrivé, vous venez à Poneyville. Ok, je vais chercher un plan au syndicat d'initiative locale. À la sortie du train quoi, il doit y avoir ça. Alors il y a pas un syndicat d'initiative, mais il y a bien quelqu'un qui s'occupe des nouveaux arrivants et qui distribue des choses à voir. D'accord, un plan. Pourquoi tu veux prendre un plan et un programme. On va forcément s'en sortir. Alors, il n'y a pas un programme, mais il y a bien un plan de la ville avec les principaux magasins, le chemin pour visiter à l'extérieur du château de la princesse. Il y a un magasin d'instruments de musique. Vu le bruit, ouais, a priori, il doit avoir tu entends de la musique. Donc, potentiellement, il y a sûrement un magasin. On peut y aller, on peut y aller. Allons-y. Alonso. Donc vous arrivez devant, vous entendez un vacarme pas possible dans le magasin et qu'est-ce que vous faites ? Clairement c'est pas très harmonieux. Je n'ai pas ouvert mes ailes, c'est pas moi. Je vais mettre les deux sabots sur la vitrine et je vais mon visage pour essayer de voir à l'intérieur, voir ce qui s'y passe. En fait, il y a plus. Au moment où tu mets ton visage et que tu regardes, il n'y a plus de bruit. Par contre, de l'autre côté de la vitre, tu as un jeune poney qui te regarde, un poney rose qui te regarde et qui s'est collé la tête contre la vitre et qui fait des grimaces et qui te fait des grimaces. Enfin. C'est un terrestre de toute façon. Oui. Bon, c'est normal alors. Oh l'autre. Mais tout ça parce que monsieur a une sur la tête. En tout cas, le poney rose sort dehors et vient vous voir. Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Vous êtes nouveau en ville ? Et elle sautille partout en même temps qu'elle vous parle. Oh mon dieu, petite chose bandit. Bah on va se présenter. Oui, nous on est nouveau en ville. Moi c'est Pinkie Pie. Qu'est-ce que vous faites ici ?
Vous êtes là pour la fête? C'est pour la fête! Et elle tire un gros coup de canon à confetti sur vous. Je décolle. Face. Moi, j'accepte les confettis dans mon crin. Ouais. Moi, j'incline juste la tête de façon à ce que mon chapeau prenne l'essentiel des confettis que j'en ai pas plein à la figure. Ok. Moi, je la regarde les yeux écarquillés et je fais... Vous êtes là pour la fête ce soir? Tout à fait. Vous êtes là pour la fête ce soir? C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Comme tortue. Tout à fait. En effet, mais... Ah, t'aimes les tortues? Moi aussi, j'aime les tortues. Je pense qu'il doit avoir un trop plein de café qui est déversé sur Poneyville en ce moment. Pas pourquoi. Il a une cicatrice au niveau de la tête. Le poney en question? Ouais. Non, clairement pas. Tiens, je te mets une petite image du poney en question. Ouais. Moi, c'est Pinkie Pie. C'est moi qui suis en charge de faire la fête, de préparer la fête ce soir. Ouh. Et elle sautille et elle s'en va. Oui, mais... Ça a l'air trop génial. Ça va. Mon avis, je sais plus pourquoi. Je pense que cette fête court à la catastrophe. On s'en va. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu venir là. Ah, c'est pas moi, hein. Ah, bah, tout de suite, c'est Poneyville, quoi. Poneyville. Enfin. Bon, si ça se trouve, en fait, la fête va être réussie. Non, mais toujours, mais. T'entends le bruit d'un canon à confetti au loin. Ça se trouve. Et du coup, la musique, c'est qui la faisait, parce que... Bah, c'est, apparemment, c'est elle qui a testé les instruments de musique, je pense. J'avais besoin de s'entraîner. C'est un peu... Tu fais une injection directe de caféine pure en intraveineuse à un batteur, et puis tu regardes ce qui se passe après. Je crois que c'était à peu près ça. À vous de me dire ce que vous faites. Ouais, alors, t'as rencontré des batteurs qui étaient quand même très, très peace and love, hein. Parce que moi, je connais des batteurs qui tournent à autre chose que de la caféine, quoi. C'est plus fort, hein, mais... tu connais pas le triptyque sexe, coffee et rock'n'roll? Du coup, tu veux rentrer dans la boutique, peut-être, pour aller voir les instruments ouais, de musique. Je voulais voir les instruments de musique, moi. Ça peut être cool. Alors, tu rentres dans la boutique. En effet, il y a plusieurs instruments de musique qui ont l'air d'assez bonne qualité. Et t'as un vendeur... Il a l'air assez fatigué. Si quelque chose, un rouleau compresseur lui était tombé dessus. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Bonjour. Oui. Que puis-je pour vous? Vous êtes disponible, là Ouais, oui, oui. C'était qui l'espèce de tourbillon caféiné qui ah, vient de sortir? Ah, c'est Pinkie Pie. Ça, j'avais cru comprendre. Elle est venue tester tous les instruments pour la musique de ce soir. Wow. Mm-hmm. Elle est fait que le tester, c'est pas elle qui joue à la musique de ce soir. Ah non. Non, elle chante, ne joue pas. Ok, bon, ça me rassure un peu. Attendez. Elle chante comment? Elle chante. Moi, ça m'assure pas. Hein. elle a beaucoup d'expérience, elle chante beaucoup. Voilà. Vous avez pas besoin de musiciens pour ce soir, par hasard? Il y a un orchestre qui répète. Si vous voulez aller les voir, moi je vais livrer sur plusieurs instruments, mais ils sont tous déjà un peu équipés. Mais allez voir. Si vous voulez, je peux pas vous dire si comme ça me donnera l'occasion de les voir. Juste une question comme ça, qu'est-ce qu'arriverait à la fête si Pinkie Pie devait disparaître subitement avant la soirée? On te regarde un peu bizarrement quand même. Vraiment bizarrement. Ça serait une catastrophe vu que c'est elle qui est en charge de tout et qui se charge quasiment de toutes les fêtes anniversaires à Poneyville. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais je voulais juste savoir si c'était un soulagement pour tout le monde ou pas, mais a priori. Je souris de toutes mes dents. Ouais, mais t'as des espèces de vent glacial qui traverse la boutique, hein, tu sais. La question, c'est vous faites quoi maintenant? Ça dit ça. Parce que moi, je peux pour livrer les instruments de musique à l'orchestre, comme ça, je les verrai répéter, et puis au pire, si j'essaie... Si clairement, il te connaît pas, c'est la première fois qu'il te voit, il sait pas trop, quoi.
Fais-moi, lance-moi un dé de charme, tiens. Merci. Un dé de charme. Ouais. Ouhou. Un dé 6, la difficulté est à 3. Eh hey, hey. Eh ben, écoute, t'as l'air d'un poney de confiance. T'as l'air puis de te connaître en amis, musique. Bon. Voilà. Il te juge complètement sur l'apparence et il te dit cool. Bah dans ce cas-là, je vais répéter avec eux. Au pire, bah, tu vois qu'il te montre à l'arrière, il y a une charrette qui est remplie d'instruments de musique. Il te dit bah voilà, tu mets le harnais et tu t'amènes. Bah, pas de soucis. Ouais, je vais en choisir un ou au pire, je ramène ma guitare. Et puis on y va quoi. En choisir un. Pour ramener le chariot ouais. À la porte. Oui, je ramène le chariot, je verrais bien. Je ramène le chariot comme ça, au moins, je suis tout content. Alors les autres peuvent m'accompagner si vous voulez, hein, mais... Et tu voulais pas t'acheter un instrument de musique tant qu'on y était Non. Bah écoute, pour l'instant je vais aller voir l'orchestre. Ok. J'ai déjà des instruments de musique. Je vais aller voir l'orchestre, c'est vachement cool. Ok, donc tu mets le... Tu... On t'a... Oui. Tu... Je mets oui. Le harnais, oui. Ok. Tu me fais un jet de corps, s'il te plaît. Difficulté 3 pour ramener tout ça. T'avances pas d'un mètre. T'as peut-être besoin. Ouais, je pense. Mais je crois que je suis dans les airs avec les pattes en l'air et parce que je suis. Ah, malheureusement, ça va... tu vas pas pouvoir beaucoup l'aider. C'est les autres qui. C'est quelqu'un d'autre qui va pousser. Hein, si c'est. Pourquoi les gens me regardent? J'ai pas envie. Ouais. Allez, dis moi. Oui, oui. Tu te retires un de stamina. Tu t'es fait mal, clairement. Eh ben, j'ai un souci, hein. Oui, mais ils peuvent t'aider les autres pour le coup. Pour. Bah, j'aide en me mettant derrière et en poussant. Ils mettaient tous à l'aider à pousser. Ouais, ouais. Enfin, moi, je pousse avec ma corde. Ok. Donc, avec ta télékinésie, tu veux dire. C'est ça. Ok. un, deux. Tu qui est blessé aussi, il continue à pousser. Bah oui, je vais essayer quand même de faire chose. Hein. Eh ouais, enfin, mais c'est comme des 8, des 10. Ocarina, faut arrêter de les mettre dans la boue aussi. Après, c'est compliqué à les sortir, quoi. C'est pas de ma faute. C'est la charrette qui est... Tu lances un D20, Obi. J'ai une chance d'échouer. Oui, t'as une chance d'échouer. Ah bah non, c'est très pas de soucis, tous ensemble, plus la télékinésie, non, y'a pas de soucis pour tirer le truc. Hein. C'est quand même vachement plus facile quand on agit tous ensemble. À quel moment on utilise les talents en fait, parce que... Bah en fait, quand vous êtes celui qui a... C'est à vous de me dire en fait, quand vous les utilisez hein, en fait. Ou si ça, la situation s'y prête quoi. Ouais mais du coup, okay. Si par exemple, je sais pas... J'ai un jet de body à faire et que je peux utiliser mon courage, je lance quoi, un D8 et un D6 ? Bah non, tu choisis celui des deux qui va correspondre. Ah. Quand t'as un D6 dans les deux. Ah ouais, c'est pas... Ouais. Okay. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir si bien aidé pour que je puisse amener ces instruments ou à l'orchestre. Bah de rien, on n'est pas amis pour rien. Bah, ami pour rien, non. Ouais, mais je peux pas la repartager, elle est encore partie. Encore ? Oui. T'as des petits soucis de connexion, SLN. Non, j'ai Rollistim qui a craché. Ça, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas, ça. Alors, si je nettoie, je déposerai tout de suite une réclamation. Bon. De toute façon, on continue pour le moment, hein. Si t'as besoin, tu me dis... Je reviens, je rebalance à ta feuille, mais ça arrête pas, ouais. Là, tu vois tes logs. Ah, mais attends, je veux pas avoir l'air, mais le Pégase qui se crache, hein, c'est un peu concept, quoi. Hein. T'as relancé complètement le logiciel ? Oui, j'ai tout relancé totalement. Moi, j'ai une image, CloudyMind, qui est là, et je sais pas comment elle est arrivée. C'est Sen qui l'a ajouté ? Oui, mais sauf que dès que je l'ai ajouté, en fait, ça a fait cracher Rollistim. Rajoute la pas. Parce que nous, on l'a, hein, t'inquiète pas, on l'a. Hein, donc, elle apparaît pas dans l'explorateur. Ah bon? Ouais. Oui, moi je l'ai. C'est une image fantôme. Mais après, le truc, c'est que comme le MJ est pas le serveur, c'est un peu bancal en 1.8, donc faut mieux avoir. Ouais. Parce que moi je l'ai dans mes sous Windows en fait. Bon, vous arrivez au. Quand tu reviens, je te renvoie ta feuille, hein, t'inquiète. Ouais, je m'inquiète pas. Et la carte aussi, s'il te plaît. Non.
La carte, c'est la carte. Je vais pas la renvoyer pour la troisième fois. Tu peux la voir sur Twitch. Ouais, sinon je te l'envoie en lien, si tu veux. Mais bon, en attendant, t'arrives devant les gens qui répètent la musique. Cool, je vais déjà me débarrasser du harnais pour aller les voir. Il y en a qui viennent vers toi et qui font « Ah, enfin, les instruments !» et qui commencent à prendre les instruments et à se servir. Cool. Bonjour, moi c'est Ocarina. Bonjour. Bonjour, moi c'est Ocarina. C'est les instruments. Bonjour. Moi, c'est bonjour, Ocarina. Moi c'est Pinkie Pie. Ça va. Elle est sortie du trombone. Bonjour. Tu joues aussi un des instruments dans l'orchestre ? Non, je chante. Et tu chantes pas exactement ? Je pense que je vais regretter cette question. Bah, commence à taper la chansonnette. Hein. Alors, chanson sur l'amitié, tout ça, voilà. Ça me donne mal au crâne ou ça va ? C'est toi qui choisis, mais normalement elle chante pas mal. Hein, je suis content qu'elle chante, qu'elle fasse pas de musique en fait. Mais t'inquiète pas, elle chope des instruments au passage et elle fait la musique en même temps. Hein. Ah, elle a beaucoup de talent. Oui. Alors elle a beaucoup de talent. Talent, c'est pas le mot exact qui viendrait à l'esprit, mais bon. Ça fait beaucoup de bruit. Dans tous les cas, elle s'éloigne en chantant et en vous laissant. Cool. Il y a un chef d'orchestre ou pas ? Bah, il y a une personne qui est habillé en costard, oui. Tu vois, sa marque de beauté, que clairement, ouais, ça a l'air d'être un chef d'orchestre. Il a une baguette sur l'arrière-train. C'est l'idée. Je vais aller le voir pour lui demander si, par hasard, il aurait besoin... d'un ocarina, d'une guitare ou n'importe quoi d'autre. Un café, ah, de dire. Bah, il te dit, écoutez, vous voulez intégrer l'orchestre pour ce soir, c'est ça ? Si ça vous dérange pas. Bah, juste montrez-moi ce que vous savez faire, là, et puis on va voir. Mais ne vaudrait-il pas mieux que tu dormes comme il faut pour attaquer les épreuves demain comme il faut ? Tu sois frais ? Attends, si je peux intégrer l'orchestre de Ponéville, enfin, Eddie, l'orchestre de Ponéville. Ouais, mais c'est un orchestre municipal, hein, c'est pas un orchestre national. Hein. Et tu veux pas te soigner d'abord, comme t'es blessé. Je suis certain que si je fais mes preuves, après tout ira bien. Ouais, de toute façon, tout ne peut aller que bien. Il est pas tant blessé que ça, c'est un terrestre. Voilà. Même blessé, j'ai encore plus de stamina que vous, quoi. Bon, par contre, je vais utiliser mon talent musique pour montrer que je sais me débrouiller en musique. Vas-y, j'attends que ça. Hein. Il va refaire un. Alors, avec tout le tac qu'il peut faire, le gars, il te dit que ça va pas être possible, quoi. tu comprends, ils se sont entraînés pendant plusieurs mois et que t'es pas vraiment en rythme et que bon, c'est gentil de proposer, mais ça va pas le faire. Mais il essaie de pas être vexant, hein, clairement. Je suis pas vexé, mais je suis Pour les autres, vous voyez qu'il y a une bonne partie de l'orchestre qui quand même se bouche les oreilles. Moi je cherche pour voir si je peux pas racheter un parapluie en vitesse en fait. Mais non, on a la licorne pour ça. Voilà. La licorne, la Pégase. Ouais. J'étais à deux doigts d'entrer dans l'orchestre de Ponéville. Plutôt à quatre sabots. Hein. Tu peux tenter, mais vaut mieux que tu dormes là tout de suite, parce que je pense que tu en as besoin. L'année prochaine, peut-être. L'année prochaine. Dans 10 ans. Je pense que Duman, c'est parce que j'étais légèrement blessé et fatigué que j'ai pas pu donner le meilleur de moi-même. Ah bah oui, je pense qu'il faut que tu te reposes et que tu t'entraînes un petit peu demain. Oui, demain sera un autre jour. Je peux essayer, moi, un petit instrument à essayer, parce que bon, on est là... Ok, vas-y, 1 des 4. Ouais. Il peut pas faire pire que lui, hein. C'est ça. Alors, il fait même nettement mieux. Ouais, alors tu fais mieux, mais pareil, ils te disent que bon, t'as pas le niveau pour le truc, hein, clairement, j'attendais au moins 4. Mais ils te disent que bon, c'est... Au moins, ils se bougent pas les oreilles, tu vois. Ouais. Je peux tester les cymbales, ça a l'air super fun. Alors ils sont là, ouais, alors ils doivent répéter quand même, hein, ils sont... Mais on les a livrés en instruments, on devrait avoir le droit de les essayer. Si vous voulez, je peux faire le triangle. Ouais, non, ça marche pas avec les pizzas, ça, par contre, hein.
Vas-y, fais ton jet. Ouais, Bon, alors en fait, je pensais qu'il fallait juste taper, mais quand on tape, bah ça fait pas que la même chose que quand eux ils tapent. Ouais, alors... je confirme, je comprends rien à la musique. Hein. Je sais alors, pas comment tu fais, Ocarina. Quand tu tapes comme un sourd, c'est tout le monde qui est sourd, en fait. Alors, il vous demande gentiment de laisser les instruments et de les laisser répéter, là. Arrêtez de torturer ces pauvres instruments. Ils n'ont rien fait. Pas que les instruments. Ah, moi, je les ai pas torturés. Un peu tous, hein. Les gens, tous les gens autour aussi, quoi. Bah, je pense que Cody Mind sera d'accord avec moi. Il y a des espèces de mauvaises ondes dans le coin. Je sais pas d'où ça vient. Ouais. Bah, je comprends pas la musique. Moi, les mauvaises ondes, elles viennent de ton instrument, hein, pour moi, mais... Oui, alors... Mais c'est sûr que je... Voilà, en fait, j'aurais dû me préparer, voilà. C'est tout est question de préparation. J'ai voulu y aller trop vite et tout, voilà. Mais je suis certain qu'en effet, si je me repose un peu et que je me soigne, je pourrais retenter ma chance. Et peut-être que même que ce soir, je pourrais jouer avec eux. Alors, moi, il me semble avoir alors, lu dans le dictionnaire il dit ça, que... Attends, il dit ça, derrière, il y a le chef d'orchestre qui vous fait signe niette, hein, il vous fait... c'est pas possible, hein. Non. Non, non, mais écoute, Ocarina, je pense que c'est pas ton heure encore. Il faut que tu... Pour briller, il te faudra une... comment dire, un spectacle dédié à toi uniquement, tu vois. Toi, t'es du genre à partir de bas pour arriver tout en haut. Tu peux pas t'intégrer au groupe de gens aussi ordinaires. Ta vertu, oui, c'est pas la beauté, toi. Ma hein, puissance c'est musicale, c'est le solo. C'est pas l'orchestration. Voilà pourquoi j'ai raté. Oh, merci, Eddie Erfi. Tu es vraiment le meilleur des potes que je connaisse. De rien. Et c'est un pote, il m'a pas dit. Et Ocarina, tu veux te faire du blé avec ta guitare? C'est quoi déjà ta vertu, Bi, rappelle-moi. Moi, c'est le rire. Tatalam. Ah là là. S'il fait une carrière solo, on va se marrer, hein, mais... Je suis tout à fait d'accord avec EDRC. Vu ton niveau, il ne faut pas que tu rejoignes un orchestre. Tu mérites d'être seul. Ah oui, c'est ça, en fait. Ça, c'est de l'honnêteté, ça. Ah, c'est excellent. C'est tellement à double tranchant que ça en est génial. Ça, c'est de l'honnêteté, quand même. Oh, merci, les amis. Vous m'avez inspiré. Ouais. C'est quoi ta vertu à toi? La bonté. Ah. D'accord. Enfin, l'endroit où je pense où ton potentiel s'exercerait le mieux, c'est quand même dans la forêt. Tu crois? Ouais. Alors je rappelle qu'il y a des animaux sauvages dans la forêt, hein, et qui peuvent attaquer. Hein. Peut-être sous terre alors, sous terre. Bah mais je pense que c'est ça le truc, je pense que s'ils m'entendent jouer, n'importe quel animal sauvage va fuir devant l'espèce de cacophonie que je vais créer. Vu les animaux qu'il y a dans la forêt trolls, pas loin, je pense qu'ils t'attaqueront plutôt pour te faire taire. Hein. On pourrait peut-être aller au pays des trolls. Non, mais je peux essayer de faire mon Gaston Lagaffe et d'inventer le gaffophone. Hein. C'est... La question étant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous reposer en attendant la cérémonie, trouver une chambre d'hôtel? Enfin, je sais pas, moi. Ah, on va peut-être trouver un hôtel. Bah, c'est ça, on va camper dehors. Oui, mais on va prendre un hôtel. On va réserver un hôtel, de toute manière. Moi, ça me va. Ouais, un hôtel, c'est pas mal. On se repose bien dans un hôtel, il faut que je me repose. Alors, je préconise qu'on évite l'hôtel californien, quand même. On n'est toujours pas sur COPS. Qu'est-ce qu'il y a donc, comme hôtel californien réputé à Ponyville. Californie, en fait, mais je crois dans la chanson. Mais... Hein, Chrome, qu'est-ce qu'il y a comme hôtel réputé à Ponyville? Bah, celui que vous avez réservé, sûrement, de votre collègue a dit. On a réservé un hôtel? On est du genre à réserver un hôtel? Bah, il y a au moins une personne, a priori, qui l'est, hein, vu qu'elle a dit que c'était fait. Oui, non, mais tous les hôtels ne sont pas adaptés pour que je puisse dormir en étendant mes ailes. Donc oui, je réserve des hôtels. Waouh, comment t'es trop prévoyante, Claudie Mine. Bah, on a dit qu'on y allait, hôtel, donc... On peut y aller ah, oui, non, mais, ou mais... on y va qu'en volant hein. Bah, c'est ça d'être fragile, en fait. Ah, c'est Ponyville, hein, tu peux y aller à pied. Oui, c'est juste que tu... Il se peut qu'il y ait quelques marches pour accéder à l'hôtel. Oh, bah ça devrait aller. Et alors, est-ce qu'il faudra jouer de la musique pour aller jusqu'à l'hôtel? Seulement au mariage. Je pense pas. Pom.
Attends, je vais m'ouvrir une deuxième bouteille d'alcool là. Bah, à mon avis, ouvre plutôt du cyanure. C'est le concept de faire une partie de mon poney bourré quand même. Alors, attends, faut le débourrer quand même le cheval avant de le monter. Pas un cheval, c'est un poney. Les joueurs, c'est comme le cheval, il faut le débourrer avant de faire la partie. Bon. Bon, allez, direction l'hôtel. Ok, bah, vu que c'est réservé, bah, vous payez vos chambres. Non, elles sont déjà prépayées, non ? Oui, à distance. Bah oui, on a mis notre carte de crédit. Ouais, t'as pas de carte de crédit. Vous me retirez tous, c'est un hôtel luxe hein, que t'as pris, on est bien d'accord. Non, j'ai pris un hôtel pour Pégase, dans notre budget. Alors, de toute... ouais. Donc ils ont fait 4000 marches pour accéder à la chambre. Non, parce que ça reste Poneyville et c'est accessible pour tous les... Bah c'est pour ça qu'il y a des marches. C'est accessible pour tous, il n'y a que 4000 marches. Non, mais ça veut dire surtout que tu as une chambre qui est grande avec un nuage à l'intérieur pour dormir. C'est surtout ça que ça veut dire pour toi. Oh, évidemment. Mais ça veut pas... quoi, tu veux dire que les Pégases dorment sur des nuages? Oh, bah, bien sûr, c'est beaucoup plus confortable que de la paille et du foin. Mais je croyais que tu voulais chasser les nuages. Comment tu fais pour dormir du coup? Bah, je les cherche pas à ce moment-là. Ça se travaille, hein, le nuage. Et justement, elle attrape les nuages au lasso, et puis après, une fois qu'elle les a débourrés, elle dort dessus. Non, et puis surtout, moi, le matin, j'ai pas de problème pour ranger ma chambre et faire mon lit. Un coup d'aile et c'est fini. Ouais, enfin, même comment quand tu tombes de ton lit, tu te casses la gueule, quoi. Ouais, dans tous les cas, vous me retirez tous 10 bits. Histoire de peu. Mais que si on avait campé dehors, ça nous aurait quand même coûté moins cher. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Tu veux copier dans les rues de Poneyville? Ah non, plus, mais aux alentours de Poneyville, quoi. Ah non, il y a des plaines, il y a le château et il y a la forêt Evergreen. Mais bon, la forêt Evergreen, c'est pas l'endroit réputé pour camper. Hein. Et on peut pas, squatter quelques mètres carrés sur la pelouse du château. Ah bah tu peux, hein. c'est le château de la princesse. Hein. Attends, pour 10 bits. Pour 10 bits, quand même, le petit déjeuner est inclus, quand même. Ah, mais complètement. Ah ouais, carrément. Ça va, alors. Ah, oui. Non, mais c'est cool si la princesse, elle laisse les gens squatter et camper sur la pelouse du château. Il y a un petit côté... J'ai jamais dit que c'était le cas. Non, mais ça peut... Il y a un petit côté... elle n'est pas généreuse. Tout sympa, quoi. Ah, elle est réputée, quand même, pour être généreuse, hein, la princesse. Attends, hippie ou hippique? La princesse Twilight est quand même réputée pour être généreuse, sympathique et assez ouverte envers tous les peuples. Elle a une très bonne réputation. En plus du fait qu'elle ait sauvé Equestria un paquet. Et justement, heureusement que c'est la princesse. Bon, dans tous les cas, vous dormez, je suppose. Vous allez peut-être à la fête avant de dormir. Bah, déjà, on va peut-être aller manger le soir. Moi, je me repose déjà. Essayer de récupérer mon point de stamina perdu et pour essayer d'être en pleine forme. Le lendemain matin. Ok. Bah dans ce cas-là, on va aller à la fête quelle ? Oui, puis à la fête, il doit y avoir des choses à manger, il doit y avoir des pommes au sucre, des trucs à boire. Cacahuètes grillées ? Vu que la principale importation de Poneyville, c'est la pomme, des trucs à la pomme, ouais, il y en a un paquet. Hein. Ah ! Je veux une tarte à la pomme. Je veux une tarte à la pomme. En Poneyville. Hein ? Ouais, une tarte à la Poneyville. Ouais, exactement. Bon, dans tous les cas, ouais, des tartes à la pomme, des pommes d'amour, des pommes au sucre, au four. Ouais, aussi, si tu veux. Il y en a. Il ouais. Ah. Y a même des grombes Kershorchen à tremper dans la compote de pommes, tu vois. Ah, oh, m'en parle pas, j'ai déjà envie. Des salades de pommes. Tu commences quand ? J'ai déjà commencé. Ah, flûte. J'ai commencé jeudi dernier. Oh, tu me donnes envie. Bon, Profites-en, c'est la fête. Mais je peux pas, je pense. Bon, vous baffrez, vous prenez de la bouffe sur des stands, c'est ça ? Ouais, est-ce qu'il y a des cacahuètes de la barbe à papa, de la... Ouais, est-ce qu'il y a des stands de dégustation gratuites ? Il y a quelques trucs, oui. Ah bah, déjà, je commence par cela. Puis je commence par cela, et ensuite, je termine par cela. D'accord. Non, c'est pour les snacks. Hein, mais si je vois que Claudiman, elle peut pas se payer des trucs, je lui offre des trucs quand même parce que bon, mon élément d'harmonie à moi, c'est la bonté, quoi. Je vais pas laisser Claudiman de prendre des trucs comme ça. À ce moment-là, tu payes un bit de plus.
Dans tous les cas, pour la question noisette, oui, tu trouves plein de trucs aux noisettes, hein, que ça soit des crackers soufflés aux noisettes, des noisettes dans du beurre de cacahuète, j'ai retrouves. J'invoque ma patrouille d'écureuil. Ok. Bah, ok, tu... Si... Ouais, hein? Alors tu mets un bit de plus pour les nourrir. Non, parce que bon. Donc en gros, t'as deux écureuils, hein, c'est ta patrouille, hein, on est d'accord pour l'instant. Ouais, si tu veux, oui. Voilà. C'est le nombre que tu veux. Moi. Ouais, ouais. Combien? Deux. Ah. Des tic et tac. Exactement. Ah, ils peuvent être habillés. Des noisettes, hein. Enrobés de noisettes à la pomme. C'est l'idée. Ah, oh, ça c'est classe. Donc c'est des petits écureuils, des petits chapeaux de scout. Dans tous les cas, pendant que vous êtes en train de vous rassasier, pour certains, il y a la musique, il y a la danse, c'est la fête, tout le monde a l'air d'être assez joyeux, et il y a la princesse qui va à la tribune. Moi je vais danser. Il y a moyen de danser avec la princesse ? Elle est à la tribune. Ah non, on va écouter la princesse. Attends, bah c'est, la princesse c'est simple, elle déclare que les jeux sont ouverts, amusez-vous bien, et elle laisse la tribune comme ça, il y a un peu tout le monde qui est un peu... Ouais, c'est tout ce qu'elle dit. Elle pourrait pas dire quelque chose de plus, quoi. C'est bref comme discours. Le bon, bah c'est ouvert, allez passer une bonne journée. Elle a pas dit qu'il elle a dit c'est tout ouvert. Oui, bah. Les jeux tout ouverts, c'est moche. En même temps, elle a peut-être eu des cours de gestion de foule par le chanteur de Placebo. Hein, voilà. Non, mais si ça se trouve, elle est en pleine création et technique de peinture. Elle est dans sa période verte, donc elle a dit que les jeux étaient tout verts. Et puis voilà, c'est bon, c'est possible aussi. Ouais, en tout cas, je vous conseille d'aller au stand, là. Ils ont des pommes cuites et farcies. Mmh, c'est excellent. Où ça, ah, où ça, où ouais, d'habitude, c'est autre chose que je farcis avec des pommes. Mais... Ah non, mais je viens de faire tous les stands, ils en ont plein des trucs de dégustation, c'est parfait ici. Ah, est-ce que t'as un stand qui vend des légumes pourris? Non. Pas de référence. Alors, qui vend, non, par contre, si tu cherches dans les poubelles, les légumes pourris, tu vas en trouver, oui. Va-tu faire les poubelles Je demande à n'importe qui sur la piste de danse, c'est normal que la princesse, elle soit restée si laconique? Non, d'habitude, elle a tendance à vouloir faire des longs discours qui n'en finissent pas. Mais là, bon, bah, peut-être qu'elle est fatiguée. Et du coup, au-dessus de la princesse, il y a un roi, il y a une famille ou elle non, 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 elle... non, non, c'est en fait, les princesses sont les dirigeantes du royaume, en fait. D'accord. Elles peuvent avoir quelqu'un avec eux, mais... Il y a des problèmes diplomatiques en ce moment qui pourraient expliquer qu'elles soient fatiguées ou... Il y a d'autres choses à faire, peut-être. On te dit, pas à leur connaissance. Après, elle est toujours occupée. Elle a toujours un programme. Elle est toujours en train de courir partout, donc oui. Elle a supervisé. Non, c'est une licorne, c'est-à-dire. C'est une licorne qui a eu des ailes, quoi. D'accord. Alors, normalement, elle court partout. Elle est double classée, quoi. Elle est triclassée. Elle est biclassée, ouais. Triclassée. Ok. Ok. Non, mais attends, de toute façon, on est venu là pour les jeux, on n'est pas venu là pour des histoires de princesse quand même. Hein. Je sais pas. C'est quand même la princesse de tout Equestria, quoi. Attends, un peu de respect. Non, c'est une des quatre princesses d'Equestria. Ouais, une des quatre princesses. Ouais. Quand même. Elle la voit au chapitre, quoi. Ah, bah complètement. Oui, d'accord, enfin bon, ça reste une princesse et voilà. Ouais, l'autre, il va sortir bientôt comme ça, qu'il faudrait une démocratie et une république avec Equestria et tout. Tu dois inventer la guillotine, hein, révolutionnaire. T'es en culotte. Bah, déjà, les poneys sont sans culotte, à la base. Ouais, parce que de toute façon, moi, je montre ma marque de beauté. Tout le monde a une marque de beauté. Hein. Justement, je la camoufle pas. Il y a personne qui camoufle, normalement. Oui, ça prouve juste que t'es un gland. Hein. Rappelle, c'est quoi ta marque de beauté? Un gland surmonté d'un chapeau scout. C'est ça. C'est quand même t'évolueras peut-être en chaîne, mais... Qu'est-ce qui pousse sur les chaînes? Des cèpes. Oui. Bah, du coup, tant pis pour la reine, pour la princesse, mais c'est dommage. Elle ne pourra pas voir mes super talents de danseur.
Ah mais attends, c'est des trucs de princesse, hein, je vois pas pourquoi ça nous regarde, nous on est là venus là pour les jeux. Hein. Bah, est-ce qu'il veut des pommes d'amour? Vous voulez des pommes d'amour? Je vous offre des pommes d'amour. J'en veux une. Non, moi je veux des pommes d'amitié. Ah. C'est où? T'en trouves où? Oui. Elles sont pas rouges, elles sont roses. Ça suit le langage des fleurs. Trop classe. Y a Pinkie Pie qui te suit partout là. Ah, génial, bah. De toute façon, je suppose que les friandises chez nous, c'est ou des pommes ou des carottes. Attends, j'ai un plan. C'est des bonbons. J'ai un plan. Donne ton argent à Cloudy Mine, et après, du coup, tu distribues des pommes et tu vas vers une falaise. Comme ça, on se débarrasse de Pinkie Pie. Non ? Vous voulez pas accepter mon plan ? Non. 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 Bah tiens, j'ai demandé à Pinkie Pie si elle connaît bien la princesse. Ah oui, c'est. Et tu trouves pas bizarre que elle fasse juste une déclaration, je déclare le jeu ouvert et hop, elle se. Alors tu lui dis ça, bah, elle fronce les sourcils et elle fait. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est étrange. Ah, tu vois, toi aussi. Elle a été touchée par la grâce. Et tu veux elle fait un grand sourire et puis elle fait mais ça va pas nous empêcher de faire la fête et elle tire un gros coup de canon à confetti sur la foule. Paf. Ah ouais, elle a vachement de dans les idées quand même hein. Ok. Bon moi je vais danser. Et tu veux pas demander à ton amie la princesse pourquoi elle est si triste ou si occupée. Après on fait la fête. Ok, j'y vais. Et donc elle y va en sautillant vers le château. J'ai l'impression qu'on a trouvé quelqu'un encore plus tête en l'air que Cloudy Mind. Je ne sais pas que ce soit possible. À mon avis, elle va se faire recevoir au palais, tu vas voir. Mais bon. Je sais pas, mais j'ai bien envie d'aller voir ça du coup, parce que j'ai bien envie de me marier un coup. Je pense qu'il faudrait qu'on la suive. Ouais. Vous avez vu, il y a des jongleurs. Ça fait un peu flipper. En effet, il y a des jongleurs droits qui jonglent avec des haches. Non, mais moi je vais suivre Pinkie, parce que j'ai bien envie de voir Pinkie Pie se ramasser à l'entrée du château, en fait. Ah, moi je sais pas, d'un côté on m'a dit qu'il y avait des cordes, de l'autre côté il y a Pinkie. Ah, je sais pas, entre les deux mon cœur balance. De toute façon, c'est pareil, hein, moi ça me gêne pas. Hein. Donc il va au château. Non, je vais aller au château, tiens, c'est vrai que c'est plus sympa. Allez hop. Donc D'autres va au château ? Moi. Bah, okay. Ça fait deux. Bah on y va tous je pense parce que du coup... C'est pas, il y a quelqu'un qui regardait les jongleurs. Bah, les jongleurs ils sont au château. Non, ils sont pas au château, ils sont dans la fête. Mais par contre, prends-la par la crinière ou par la queue de cheval et puis hop. Bah après, si elle veut rester, je reste avec elle, hein, pas de soucis. Pour son écharpe. Bah on l'entend plus en écharpe. Fait. Hélène ? Oui ? Ah non, mais moi c'est je regarde les jongleurs et après je me regarde sur autre chose si on me dit pas de suivre. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, par son écharpe. En gros, il te tire avec eux, quoi. Poisson rouge. Mais... On doit faire quelque chose ? Ouais, on va aller voir ce que fait Pinkie Pie avec Vous arrivez, elle a pris de l'avance sur vous, hein, elle est au niveau de la porte du château. La porte s'ouvre, il y a un petit dragon, un bébé dragon qui ouvre la porte, et qui la fait entrer, qui ferme la porte. Alors, Ferme. Bah merde, alors elle s'est même pas faire fouler. Bah, elle avait l'air d'être... de dire vrai alors. Elle sur un niveau de puissance, le dragon c'est où par rapport au poney level 1 parce que... Alors, le dragon c'est haut, le bébé dragon c'est bas. Non mais par rapport à un poney level 1. Ouais. Est-ce que un dragon niveau 10 peut tuer 10 poneys Je pense que oui, mais bon... Après, vous savez pas quel niveau il est, le bébé. Alors, attends, je voudrais savoir, avant toute chose, avant de commencer le combat, est-ce qu'on va utiliser des cases carrées ou des hexagones? Ça peut avoir son importance, hein, au niveau de la tactique. Hein. En effet, ça peut avoir son importance. Voilà, c'est ma réponse. Et du coup, je suppose que si on demande à rentrer au palais, ils vont nous dire d'aller voir ailleurs si on y est, quoi. Ah bah moi, je vais toquer à la porte, hein. Ah, attends, hop. Juste pour vous y mettre une petite image quand même, parce que bon,
Pour pas trop vous impressionner, je vais quand même vous envoyer une petite image quand même du dragon, hein. Histoire de... Ouais, vas-y. Quoi? Non, non, vas-y, vas-y. Lent. Ouais, c'est lent, excuse-moi. Alors... C'est ta musique qui était petite, méga, dragon, c'est ça dire qu'il est... Ah non, non, elle est toute petite, mais c'est pas le problème, c'est que... Il y a un lien qui marchait pas dans mes trucs et donc il faut que je retourne en arrière, que je l'attrape et hop, voilà. Voilà, c'est pas... Voilà. Ouais, bon. C'est pas impressionnant. Ouais, trop c'est pas ah, j'ai jamais dit que c'était impressionnant. Hein. Bon, on va frapper la porte. Ok, bah t'as comment ça s'appelle t'as un truc Mindy, peut, avec déjà... les juste les yeux qui s'ouvrent là. Un œil de bœuf, quoi. Ouais, enfin, les deux yeux ouais. Et le a priori c'est, oui. Ouais, c'est ça a l'air d'être le même jeune dragon. Sauf que bah au lieu d'être à, on va dire à 1 mètre du sol, il a l'air d'être à 1 mètre 30 du sol. J'ai dit ouais, c'est pourquoi. On est avec Pinkie Pie. Il nous a dit suivez-nous, puis enfin suivez-moi, et puis bah voilà. C'est qui? Ouais, tu vas faire un jet de charme. Ah ouais, je suis une équipette, un ami. Ton de pire cauchemar. Il est alors avec il te regarde, il fait tout le monde et les amis de Pinkie Pie. Mais on nous a lancé 3 fois du canon en confetti. On doit être de bons amis. Oui. J'agite tes bras. Tu vois le Judas qui se referme tout doucement. Elle nous a baptisés de ses confettis. Ouais, bah le Judas s'est fermé, hein. Ah, bah je refrappe. Hein. Mais du coup... Bah ça se rouvre, quoi? Encore vous? Bah oui, on est de ce côté-là de la porte, et Pinky est de l'autre côté. Ouais. Bello! Non, ça marche pas. C'est pas faux. Sinon, on vous appelait Pinky Pie. Elle est occupée avec la princesse, là. Elle est en entretien. Elle a oublié son CV. T'as de nouveau le Judas qui se ferme tout doucement. Avant que le Judas ne se referme, je vais essayer d'envoyer mes deux écureuils pour essayer d'ouvrir la porte par de l'autre côté. Ça casse pas 4 fers. Lance un D6. Un dragon. Hop. Alors attends, tac, tac. On cherche où est. Tu sais comment on lance une commande de dés dans Roll Steam? Non, je sais de lancer que des dessins. Oui. Bah t'as un de tes écureuils qui arrive à rentrer avant que le Judas se ferme. Et d'accord. T'entends un bruit de bah ça se tape de t'as le de, a priori le jeune dragon est pas d'accord avec l'écureuil. Attends hein. Ding. Voilà. Ton écureuil n'est plus. Feu l'écureuil. T'as la porte qui s'en trouve et le dragon qui te redonne l'écureuil. T'as gagné. il referme la porte. Alors attends, on essaie de mettre sabot. Sabot. Ouais. Ouais, je vais mettre mon sabot aussi, ouais, tiens. Allez, y en a qu'un seul qui met le sabot, hein. Bah, c'est moi le plus costaud, je vais le faire. Y a quelqu'un qui s'est mis sur l'autoroute. Peut pas servir. Tu peux pas pousser aussi avec ta corne. Ici, mais je vais utiliser la télékinésie pour maintenir la porte ouverte. Allez, un des 10 pour... Vous savez qu'on est en train de rentrer par effraction dans le palais princier, hein, mais... C'est pas grave. Et puis, la princesse ne nous avouera sûrement pas. Je vois pas où elle peut. Des inconnus qui rentrent chez moi, comment elle peut nous en vouloir? Ouais, bah non. Magnifique 3. Ouais, bah non, il ferme la porte avant. Je pense qu'il va falloir acheter un Pinkie Pie qui ressorte. Ah! Je savais pas, moi. Que t'as quelqu'un qui t'aide avec sa télékinésie. Ouais, mais bon, voilà. Ça change pas grand chose. il ferme la porte avant. Ouais, c'est mieux ça. Oui, mais c'était celui d'avant. Non, mais c'est mieux quand même. Mais du coup, le maximum, c'est un D20, c'est ça? Ouais. Donc si on fait un D20 et qu'on fait 20, on relance quoi? Un D20 encore ou... J'ai pas regardé, je t'avoue que... On verra à ce moment-là si ça arrive. Je vais fouiller vite le bouquin en me disant « Merde, 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 merde ah. !» Ouais. Pour bien le jeu, quand même. J'adore qu'un plan se déroule sans accro.
Bon bah je pense qu'on va être le Pinkie Pie, il ressort. Bah on est des experts. On peut aller voir les jongleurs. Et puis il y avait aussi des cracheurs. Non, sérieux? On y va? Attends, il y avait des cracheurs de feu et moi qui avais en plus des marshmallows. Ah bah ouais, pour les noisettes, tu pourrais faire cuire aussi. Ouais, allez hop, à la fête. Bah, vous voulez pas attendre que Pinkie Pie elle sorte? Attends, il y a des cracheurs de feu et des marshmallows. Et alors, moi j'ai... Bah, on peut faire une belote. Mais on peut attendre soit devant le château, soit on peut aller s'amuser et attendre qu'elle ressorte. Elle va nous retrouver. Attends, il suffit de dire qu'il veut des pommes d'amour et elle apparaît. En plus. Oh, c'était plusieurs fois de suite et rapidement. Hein. Surtout. ou alors, j'allume un feu de camp juste devant la, enfin, à côté de la porte et on attend que Pinky ressort. Il n'y aura pas les jongleurs. Je vais essayer un truc. Pinkie Pie. Non, parce c'est pas close. Comme Beetlejuice. Non, il se passe rien. Les nuages se rassemblent et forment un tourbillon. Une crevasse apparaît sur le sol, un trou d'une profondeur insondable. Les nuages se transforment en surface aquatique. Alors, on va aller voir ces jongleurs. Ah non, mais sinon, je dis, on peut manger des chamallows ici en attendant que Pinkie Pie revienne. Ouais, mais il y aura pas les jongleurs. Bah, on peut leur demander de venir. Wow. Ah ouais, trop cool. Allumez le feu, on va chercher les jongleurs. Qu'est-ce que vous faites? Un sitting devant le château de la princesse. Voilà. Ah voilà, il y en a deux qui allument un feu, il y en a deux qui vont prendre les jongleurs de venir devant le château. Oui, chercher les jongleurs. En volant, ça ira plus vite. Voilà. Mais non, et je vole pas, moi. Bah écoutez, vous faites votre feu devant le château déjà? Ouais, alors je vais pas le faire non plus devant la porte, hein. Bah pourtant t'as un briquet qui est pas loin, hein. Ça me rappelle un ogre, mais bon. Non mais on va se mettre à une petite dizaine de mètres de la porte, on va allumer un feu de camp et on va commencer à se faire griller des chamallows en chantant des chansons. Ok, t'allumes ton feu et... Bah je commence à faire griller des chamallows. Ok, pendant ce temps les autres. Aussi. Eh ben on va aller voir les jongleurs. Enfin, j'essaie de suivre Cloudy Mine qui est par 4ème vitesse dans les airs. Bah ouais, attends. Cool, les jongleurs. J'imagine la princesse qui est arrivée à la fête, qui a déclaré le truc. C'est ouvert, qui s'est cassé chez elle pour peinard. Et là, on est en train d'amener la fête sous ses fenêtres, quoi. Oh, mais ça serait cool. Plus que cool. Non, elle a une réunion diplomatique avec Attila qui veut une cuillère, tu vois, et il y a le galère sa race, quoi. Donc, on va peut-être pas l'aider diplomatiquement, hein, mais. Bon, en tous les cas. Déjà, je sais pas si Gliman me perd. Justement, vous allez tout. Bah, celui qui vole va me lancer un D6 et l'autre va me lancer un D8. Je te lance mon dé de vol. Ah, c'est l'idée. Ah oui, non, ça c'est un D8 le vol. Donc, tous les deux un D8. Moi j'ai pas un D8, on dit, hein, j'ai qu'un non, D6. Encore j'ai un D6, hein. Ouais. Bah D6 tous les deux. Ah oui, c'est météorologue que t'avais. Rien. Et c'est simple, ça va être le meilleur des deux, quoi. Bah, je pense que c'est elle. Faudrait qu'elle lance d'abord. Hein. Yes. Là, c'est Pégase, ça se lape toujours. Presque à faire des petites acrobaties. Oh, à ce niveau-là, tu peux, hein. Non, mais de toute manière, je me contente de me retourner et de faire « Ocarina !» L'effet est découpé, je crois. Ouais, c'était un peu ça. C'est... Ocarina, c'est... C'est bon, tu viens en me retournant en arrière et l'autre. J'agite ta crinière. Je vous ai mis une image du château. Hein. Ah bah voilà, alors, techniquement, toi, tu vas peut-être plus vite, mais tu parcours plus de distance. Hein, donc. Ouais, mais moi, j'ai du mal à la voir. Il y a des cerfs-volants partout avec la fête et j'arrive plus à la distinguer, en fait. Mais il y a peut-être une DCA autour du village, hein. Demande. Hein. Non, mais le château, par contre, on peut y aller en volant. Ah ouais. Pour après. Pour un peu seul, quoi. Non, on a de la corde.
Après avoir fait la fête, après avoir ramené la fête à vos pieds du château, si on grimpait à l'intérieur histoire de faire une opération commando devant les gens qu'on a amené pour faire la fête. Non, c'est les jeux. Faut toujours faire des grimpés de cordes. Dans tous les cas, t'arrives à la fête en premier. Ouais, bah je vais voir les jongleurs. Ils sont en train de faire une pause justement là. Hey, ouais. Salut, j'ai adoré votre numéro. Vous voulez pas venir le faire un peu plus loin? Genre, tu veux qu'on s'éloigne de la fête? T'étais si mauvais que non, ça? Non, mais non, devant le château, ça serait super cool. Regarde tous, un peu bizarre. Tu me fais un... Lance-moi un jet de charme, difficulté 3. C'est gentil, hein. Ouais. Ça passe. Bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Tout le monde verrait de la fête. Si en plus on met des feux d'artifice, s'il y a des feux d'artifice dans le château qui sont déclenchés, tout le monde qui voit de la fête, qui vous voit vous en premier devant le château, ça fait super cool. En plus, la princesse, elle vous verrait. C'est pas faux. Donc ils vont à ce moment-là, t'arrives derrière. Comment c'est bon, je me rappelle plus le nom de ton perso. Ocarina. Ocarina, t'arrives. Au moment où les emmènent, ils sont tous en train de prendre leurs affaires. Non, mais tu les vois en train de prendre tous leurs affaires. Oh merde, ils s'en vont. Je vais voir tout de suite Cloudy Mind. Oh mince, ils sont en train de partir, c'est bête. Non, c'est vrai. Cool. Ouais. Ah bah je vais les accompagner. Ah ouais, ça serait trop cool. Bah je retourne les dire aux autres. Ouais, il fallait prévenir. Moi je les mène au château. Donc t'essaies de faire déplacer toute la fête au château, c'est ça? Ou une partie? Bah, je sais pas, Ocarina veut peut-être qu'il y ait des musiciens qui viennent, comme ça ils pourront faire de la musique pendant qu'il y a les jongleurs. Ouais, tiens, je vais essayer de convaincre des musiciens, des jongleurs, des vendeurs de trucs. Toi, de... convaincre les musiciens que t'as rencontrés? Bah, en même temps, tu leur dis que s'ils partent pas, tu vas jouer avec eux. Hein. C'est pas faux. Bon, ouais, si, allez, après vous, je suis trop confiant, moi, donc vas-y. Ouais, allez, je... Allez, donc ils finissent un morceau et... c'est simple, hein. Les musiciens ils te font... Non, c'est chiant. Enfin, il faut déplacer tous les instruments, et tu comprends, on s'est entraîné pour jouer ici. Donc, on aime bien que t'as beaucoup d'idées, c'est très bien, cultive ça loin, très loin. Au château, par exemple. Écoute, t'as obtenu 3 croix, mais ouais, il faut que tu t'accroches et que tu continues, tu vois. Mais il reste positif avec toi, hein. Il t'envoie pas chier à proprement parler, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais je crois, mais oui, c'est vrai. Il y a l'estrade, ils peuvent pas déplacer complètement l'estrade, quoi. Voilà. Et donc, comme mes tu amis dit... avaient raison, il faut que je me lance dans la carrière solo. Tu t'appellerais Sherlock Holmes. Ouais, mais voilà l'idée. Voilà l'idée. Je vais pas faire venir les musiciens. Je vais faire la musique moi-même. Encore voilà. Mieux. Voilà. Oh loin. Ah, mais moi, j'ai tenté de convaincre la foule en faisant hey, « Eh, venez, la princesse, si elle a l'air triste, elle se fait le discours pas longtemps, faut qu'on vienne faire la fête au pied du château pour y remonter le moral. Ce serait super sympa. » C'est l'heure qui joue de la musique. Et je tente de convaincre la foule. Alors, 5 de difficulté, toujours ton vas-y, continue, lance un D8 à la place. Bon. Oui, en plus, la princesse, elle est sympa, ça sera sympa pour elle, voilà. Yeah! Quand, allez, je vois la... Quand je vois la foule se ramener, je regarde mon paquet de chamallow, je dis, on en aura pas assez. En effet. Ouais, bah du coup, j'en prends 5 ou 6, tu vois, ça mange vite. Partage avec mes écureuils, quand même, hein. Moi, je vais au stand d'acheter plein de pommes d'amour, de gâteaux, de tartes pour ramener. Ah bah, de toute façon, il y a des stands qui se déplacent avec. Hein. Je veux dire, la même partie de la foule part, il y a des stands aussi. Hein. Ouais. Alors, je suis tout décontenancé parce que je t'annonce qu'à manque de bol, les musiciens vont pas venir et je vais passer avec leur instrument sous le bras. Ah non, mais moi, j'ai dit aux gens. J'ai des gens qui fallait qu'ils viennent parce que pour la princesse, si elle est triste, il faut lui remonter le moral. Donc ils ont fait d'accord. Non,
Non, non, les musiciens, disons que tes efforts pour les musiciens ont été un peu contrecarrés par les efforts de ton ami, hein, pour le coup. Mais ça fait rien, moi je peux faire de la musique. Le mec, il y a deux fêtes actuellement. Ouais, on a fait une contre-soirée, quoi, c'est cool. C'est ça. On a fait un festival ça, off. En fait, on vient de lancer le off de Ponyville, tu vois. Bon, ouais, bah je vais faire de la musique. Je suis certain que je peux mettre de l'ambiance avec de la musique. Bah vas-y, hein. Et en solo. Ça dure longtemps, l'interview de... Non, non, de laisse-le de Lingimbu machin. Yeah et bah ouais, elle joue super bien en solo. Je t'ai jamais entendu si bien jouer. On lance un D8 à la place. Bon, ouais. Tu restes sur ton 6. Mais c'est, ouais, clairement... Bah, je dis quand même que... ça fait quand même deux fois qu'il y a la même séquence. Je me demande si quand même le logiciel n'est pas tout pourri. Hein. Bah en fait, il y a eu beaucoup de 3, de 4. Sur des D6 en même temps. Ouais, c'est pas faux. Non, mais ouais, tu lances un D6, ça fait 6. C'est le solo, mon truc. Tu lances un D8, ça fait 2. Hein. Ça fait déjà deux fois qu'il y a une séquence de ce style-là. Ouais. Oui, bah après, en même temps, hein, tu sais, si tu prends un. Un singe et que tu lui fais écrire pendant une infinité, tu trouveras un roman de Shakespeare à l'intérieur, hein, donc ça bon. Hein. Je veux dire que si on lance une infinité de dés sur Olissime, on aura un Shakespeare. ça c'est compliqué, parce que tu ne peux pas avoir de lettres, mais enfin... Si, en codé, c'est peux... ça. Si, si, à la limite, si, tu peux te faire un opérateur qui tire aléatoirement une lettre dans l'alphabet, et après tu verras. Mais ça risque d'être long. Mais j'ai lancé un dé infini, hein, en toutes lettres, et j'ai eu ça. Bah, tu vois qu'on peut faire quelque chose avec Rosteam. Bah, t'as eu un, non? Bon, bref. Il y a de la musique, il y a de la fête, il y a des chamallows. Je suis certain que le moral de la princesse ne peut que s'améliorer. Bah, en effet, il y a un moment où elle va regarder par son balcon ce qui se passe en dessous. Hein. Ça, c'est un peu l'idée. Et elle va regarder ouais, une petite 30 secondes et puis elle va rentrer sans un bruit, quoi. Ah bah attends, bah non, si on la voit, on va dire. Si on la voit, elle fait un mouvement de foule. Ouais, elle est au balcon, donc le mouvement de foule, il sera en bas. Hein, donc ça va pas trop la foule. Oui, mais... en faisant, oui, princesse. Bah, elle te fait un salut Miss France si ça te va et puis elle rentre, quoi. Je lui lance un salut Miss France, elle dit que la guerre c'est bien et puis elle s'en va, quoi. Alors moi je lui envoie des chamallows, moi. Ouais, tu lui envoies par télékinésie, je suppose. Bah ouais. Bah, écoute, elle sort un bol, elle les récupère et elle s'incline pour dire merci, quoi. Ah, je savais bien que les chamallows, ça marche. Et puis on rentre dans le château. T'aurais peut-être dû mettre des écureuils avec les chamallows. Ouais, mais ça se vit, un message secret dans les chamallows. T'aurais dû acheter du fluffy. Oh, du fluff. Du fluff, pardon. Du fluff. Non, non. Tu veux rajouter plus de crunch ou plus de flunch? De flush, de fluff. Tu veux aller à flunch, c'est ça? T'as tellement faim. Ah, mais flunch, c'est une private joke, c'est tout. Vous pouvez pas comprendre. Oui, le flush, oui, je sais. T'en as déjà parlé. Avec SLN. Bref. Eh oui, ça a marqué. Je sais pas si on a rendu le sourire à la princesse, mais on l'a fait sortir sur le balcon. C'est déjà ça. Ouais, mais Pinkie Pie est sur par sortie. Non, mais on peut taper à la porte et faire rentrer la fête dans le château. Je crois que la princesse avait du sang sur elle. Hein. Non, mais pourquoi tu veux taper à la porte? Tu sais que tu peux aller carrément au balcon, toi. Hein. Bah, ouais. Ouais, je vais voler, je vais voir si c'est joli là-haut. Bah, je commence à m'élever et puis je regarde sur les fenêtres, des trucs comme ça, si je joue avec Pinkie Pie, la princesse, qu'est-ce que je vois? Bah, de toute manière, il y a d'autres Pégases qui sont en train de voler autour. Non, la plupart du temps, ils sont quand ils font la fête, ils sont avec les autres, en fait, à Ponyville. T'es un peu seul à voler autour du château, oui, parce que, bon, en plus, tu regardes par les fenêtres, c'est pas forcément le truc le plus sympa. Y'a pas une interdiction de survol du château? Non.
Non, parce qu'il n'y a pas de terroristes dans le monde de mon je suis juste en train de me demander je suis juste en train de me demander si je vais pas frapper à la fenêtre pour leur signaler qu'il y a un Pégase qui est en train de... Mais ouais, qu'est-ce que... Ouais, bah, il y a des pièces, quoi. Après, je sais pas si tu regardes en détail ou que tu t'approches ou si tu regardes de loin, quoi. Ouais, non, non, je me colle pas truc. Je suis curieux, ah ouais. Quoi. Ah ouais. Bah, il y a l'air d'avoir de la lumière dans le château, mais aux fenêtres, tu vois pas de mouvement en particulier. Maintenant, il y a des buts. Tu vois une bibliothèque, tu vois des chambres. Bah, si je vois Pinkie Pie, je fais coucou. Bah, à un moment, ouais, tu vois Pinkie Pie qui passe devant une fenêtre. Bah, alors, je fais une cabriole devant la fenêtre pour attirer son attention. Bah, elle regarde vers toi, puis elle continue son chemin. Est-ce qu'elle sautille ou est-ce qu'elle marche? Elle marche. Elle a pas utilisé son canon à... Elle a pas utilisé le canon à confetti, je suis choqué. Ah ouais, à mon avis, il y a un truc pas là. On n'est pas là. Absolument donc. Que tu lui parles. Est-ce que les fenêtres, il y a des vitres aux fenêtres ou est-ce que je peux passer par la fenêtre? Ouais, alors la plupart des fenêtres, il y a des vitres et celle-là, il y avait une vitre en effet. Bah, je me colle à la vitre et je regarde où elle va. Bah, continue dans le couloir en fait. Ouais, pour aller où, t'en sais rien, mais... Non, mais j'essaie juste de la suivre de fenêtre en fenêtre, en faisant des cabrioles, coucou, et autres. Bah, au bout d'un moment, tu tombes sur une fenêtre avec des rideaux fermés, et tu sais pas où elle part, quoi. Déception. Ouais, complètement. Tiens. Elle finira bien par sortir. C'est que beaucoup en fait, ce qui est choquant, c'est qu'elle n'a pas fait de bond, elle n'a pas sauté et tout. Ah, et là, devant toi, il y a un Pégase bleu avec une crinière arc-en-ciel qui te regarde et qui te fait « Tu fais quoi, là ?» Bah, je regarde le château. C'est ma première fois que je le vois. Mais... Eh ben, c'est bien, mais tu vas le regarder d'un peu plus loin. Moi, c'est Rainbow Dash et le château, je suis censé protéger l'espace aérien du château. Donc, tu vas t'éloigner un peu. D'accord. Mais il est beau. Eh, il est beau. Alors tu bagnes et tu le regardes de loin. Ah non, mais quand je dis ça, je m'éloigne. Hein. Ouais. Et on a le droit de se poser dessus. On regarde du poney qui te parle, non. Demande si tu peux avoir un selfie avec la princesse. Je l'avais, hein. Alors, il n'y a pas de téléphone portable. Et de tu veux des marshmallows photo. Non. La question que je me pose, c'est est-ce que dommage, devant la bon. Porte d'entrée y a pas un poney qui a une cute marque en Polaroid? Ah oh, si, sûrement. Je sais pas où sort le Polaroid, hein, mais... la question que je me pose, moi, c'est devant la porte du château, est-ce qu'il y a deux gardes poney qui sont avec un bonnet en poil de loutre et qui sont impassibles ou pas? Non. Ah ouais, y a pas de garde à l'entrée. C'est pas de la loutre, c'est des ours. C'est des ours? Ah, les Anglais, ouais. Ouais, même que le Canada a gueulé parce que c'était que des ours canadiens, en fait. Bah sinon, ce qu'on pourrait peut-être faire, je sais pas, c'est refrapper à la porte et leur dire qu'on a besoin de leur toilette pour aller poser un arc-en-ciel, quoi, ou un truc du genre, quoi. C'est vrai que toi, tu pourrais. Pour tous les cas, la fête continue, hein. Bah, je descends en bas, puis... Hé, les copains, ah bah... j'ai vu... Elle a vu, voilà. Et puis, ouais, j'ai entendu, j'ai vu, hein. Ouais, et puis, j'ai vu Sweetie Pie. Sweetie Pie. Et ouais. Qu'est-ce qui s'est... Et elle t'a vu? C'est pas Pinkie bah, Pie. Bah ouais, mais elle avait l'air bizarre. C'était pas normal. Elle tenait l'impression d'être sobre. Oula. T'as dû confondre. Ouais, ça devait pas être elle. Bah si, c'était la même crinière et la même cutie mark. Je sais reconnaître une cutie mark et une crinière quand même. Ah, donc forcément c'était la même. J'ai une idée. Je vais aller toquer à la porte du château. Ok. J'attends bah, t'as pas de voir réponse. Le Judas avec les yeux. Non, moi, ça s'ouvre pas, y a pas de... t'entends pas de bruit. Bah, je retoque encore une fois. Bah, le Judas s'ouvre, t'as les deux yeux du dragon. Bonjour, dites, je pense que vous vous ennuyez derrière la porte. Vous voulez pas un peu de chamallow aussi? On en a plein. On a aussi des pommes d'amour, et puis des pommes d'amitié, et puis d'abord ma papa, et aussi des confiseries. T'as pas fini ta phrase que le Judas est déjà fermé.
Je savais que les dragons aimaient les confiseries. On prend un machin à l'eau, on y met un somnifère à l'intérieur. Il ouvre le judas, tac, on le jette. Voilà. Alors, perso, moi, j'ai pas de somnifère sur moi. Hein. Doit bien avoir un marchand de sommeil quelque part. Hein. C'est pas la même chose. Ouais, mais c'est bizarre quand même, parce que la princesse semblait soucieuse. Pinkie Pie va voir la princesse et apparemment, elle est plus complètement. C'est peut-être un virus qui rend triste. Ah mon dieu, tu crois qu'on aurait une épidémie de tristitude ? La tristitude, ouais. C'est, ça va peut-être commencer avec ton jeu de guitare. Hein. Mais non, mon saut de guitare est génial. Toute la foule reprenait mes trucs en cœur. Ouais. Le solo, oui. Mais avant, en fait, t'es pas fait, t'es vraiment pas fait pour jouer dans un orchestre. Tu dois être la star. Il faut que je me lance en solo. Faut que tu brilles. Faut que tu brilles tout en haut. Il faut que je sois le Joe Satriani des poneys. Ouais. Non mais ça se voit, ça se voit dans ton regard, tu vois. En tout cas, ça se voit. Tu... Il y a la moitié des gens qui sont qui se coucher hein, là. Mais il y a quand j'ai fait le tour, il y a une autre porte à l'arrière du château ou une autre entrée? Oh, il y a sûrement une entrée de service. Est-ce qu'il y a une entrée des artistes? C'est la même. Ah. Mais on peut essayer par l'autre entrée, l'autre porte. On arrivera peut-être plus facilement à rentrer si vous voulez. Il n'y a peut-être pas de dragon à cette porte. Eh, hey, il reste plus de chamallows. Où sont les chamallows? A priori, il en reste un. À la fois qu'il bat avec les écureuils. Hein. Mais... L'écureuil... Tu dis ça, l'écureuil, il chope le chamallow. T'as pas assez rapide. Hé, hey, rends-moi, je le veux, c'est le mien, j'en ai pas eu. Tu te bats contre l'écureuil? Plus je me bats contre l'écureuil, je le course. Ah, tu me fais un jet de... Moi je pense que c'est de body. Va démarrer la dérive des continents. Et tu me fais un D6 écureuil, monsieur. Ouais, c'est un... On va chercher où t'es le chat commun. Hein, il y a tellement d'images que maintenant j'ai plus de... J'ai mis l'image de Twilight, Sparkle, la princesse. Ah! Ouais, bah c'est l'écureuil qui prend. Hein. Yes, j'ai un chamallow. Il a un petit peu mangé par l'écureuil, mais ouais, t'as un chamallow. Ça doit pas être bon pour un écureuil, un chamallow, je pense. Hein. Ouais, si. Bah, ça dépend, s'il a goût noisette, ça doit être pas mal. Bah là, il a le goût de pomme. Et de poil. Et d'écureuil. Il y a des poils entre les dents. Vous êtes immonde. Mais elle brille mais au soleil. Mais on peut tenter, tu sais, par l'entrée des artistes, oui, ça serait sympa. Prends l'entête derrière. Ah oui. Je tente une lame. Bah écoutez, vous allez tous à l'arrière. Ah ouais. Bah oui. Ok, bah il y a une porte bois qui a l'air assez solide. Bah elle est ouverte, non? Bien sûr. C'est un château, on laisse les portes ouvertes. Et contre un token, elle est ouverte. Non, même contre un token, elle n'est pas ouverte. Elle est fermée, une toute un château à Poneyville. Non, elle est fermée. Alors, elle est de quelle couleur, la porte? Couleur bois. Elle est ouverte, comme la princesse l'a dit. Bon. Mince. Il n'y a personne qui a la magie pour ouvrir les... Personne n'a de la peinture verte. C'est compliqué à défoncer une porte. Bah, ça dépend si elle est solide ou pas. Disons que ça fait du bruit, surtout. On va frapper à la porte pour voir si quelqu'un nous ouvre. Je pense que tu peux peut-être faire tourner le verrou de la porte. Il y a une cloche hein, à la porte. Bah, quoi, une cloche, on fait un pas en sonnant à la porte. On va déjà essayer ça, oui, sonnons la cloche. Tu secoues quel poney quand tu dis que tu secoues la cloche? Secoue toi-même. J'actionne bon. Le cordon de la clochette pour voir si quelqu'un ouvre la porte. Ah, au début, il n'y a pas l'air d'avoir de... Ça, pas de mouvement, quoi. Pas de bruit. Vous entendez à l'intérieur quelqu'un qui a pas l'air très très content, comme s'il avait été dérangé en pleine nuit par l'entrée de service.
Et vous entendez la voix de Pinkie Pie derrière qui fait « Oui, c'est pourquoi ?» C'est Pinkie Pie qui lui parle ? Oui. Non, c'est quel... c'est Pinkie Pie. C'est la voix. D'accord, ok. Pinkie Pie, c'est nous, t'as oublié de nous ouvrir. C'est qui bah, elle ouvre la porte, ouais. Elle sort, elle ferme la porte derrière elle. Vous êtes qui ? On a passé toute la soirée ensemble, quasiment. Ah oui, bien sûr. Mes nouveaux amis. Oui, c'est ça. Je suis content de vous voir. Ah. Elle vous fait un sourire. Ça a pas l'air. Tu sais ce qui se passe avec la princesse, alors ? Ah, elle est fatiguée. Mais moi aussi, je suis fatigué, j'allais me reposer, là. Bah nous, c'est pareil. Tu nous invites à boire un chocolat chaud avant qu'on rentre ? Tu vis au château, Pinkie Pie ? C'est flippant comme demande, hein, mais... elle me regarde un peu bizarrement. Bah, viens boire un chocolat chaud avec nous à la fête. Est-ce que je suis fatigué, je vais me reposer. Tu dors au château ? Bah, ça m'arrive. Tu es en bonne santé, tu te sens bien, malgré la fatigue. Oui. Pas de fièvre, pas d'autres symptômes. Elle a toujours sa cutie marque ? Oui, elle a toujours sa cutie marque, toujours la même. Son regard, il a l'air normal. Ou bovin. Bah, il a l'air beaucoup moins joyeux que celui que vous non, avez mais vu. Elle a pas les pupilles dilatées ou autres comme si elle était... Drogue. Ouais. Ouais, non. Ouais. Et tu veux pas nous dire ce qu'a la princesse ? Elle est fatiguée. Ouais. Vous savez, c'est dur d'être une princesse. Ouais, nous aussi on est fatigués, mais on est vachement loin de la ville. Notre hôtel, on peut pas dormir là ce soir ? Elle recule et ferme doucement, elle ferme la porte. Non, je suis désolé, c'est pas mon château. Oh, tu dis ça parce que t'es fâché. Bon. Mais avant qu'elle ferme la porte, je mets juste le sabot et je fais « Hé, on se voit demain ?» Oui, on se voit demain. C'est ça, à demain. Et... Tu peux retirer ton sabot ? Ah, ça ! Ah ! Il faut l'excuser, elle se montre parfois un peu cavalière. Ah ! Bon bah... Elle est pas très à cheval sur les principes. Bon bah je retire mon sabot un peu à contre-cœur. Mais j'essaye de jeter un œil, voir comment c'est l'intérieur quoi. Bah écoute, fais-moi un jet, ça va être de mind. Enfin, Ma meilleure compétence évidemment. Ah bah oui. Après, les autres peuvent essayer aussi. Hein. Voilà, ouais. C'est bien. Bah, tu relances, non ? Tu relances un des 6. Ah ouais. Bon, bah c'est 4. Hein. Ouais, je vais regarder aussi, du coup. Bah, de toute façon, il n'y a qu'une seule personne. Hein, qui est... C'était pour l'aider ou pas, mais... Oui, voilà, bah, oui. Je ah, pas d'accord, là. Oui, ok. Non, bah, c'est bon. Je tombe d'ailleurs. Je suis pas un voyeur, hein, moi, je respecte la vie privée des gens. Bah, en fait, tu vois, ce que t'as vu, c'est que a priori, là où c'était c'est une cuisine qui est derrière. Et bah, surtout, en fait, tu vois quand elle ferme derrière, il y a un autre poney dans la salle qui était caché dans l'ombre et qui ressemble à ça. Alors, je suis pas pro, mais ça, c'est pas un look normal. Bah, le truc, c'est que tu considères que tu l'as vu et que tu peux le décrire à tes camarades et peut-être il y en a un qui saura ce que c'est. Mais voilà. Vous avez déjà vu des poneys tout noirs avec des grandes dents, des cornes et des ailes, mais tout noirs et puis ils ont des trous dans les sabots. Un peu le froid de la nuit. Vous me faites un jet de mind pour savoir s'il y en a un qui connaît. La difficulté à 3. Hein. Je moi, sais j'ai pas. Vu la bande annonce du film, je sais ce que c'est. Un ado qui a fait un ado qui écoute de la musique gothique. Alors non, tu sais pas. Clairement, moi et D-Mind, on ne sait pas du tout ce que c'est. Moi non plus, hein. Je pense que c'est un anode. Bah bien sûr que je sais ce que c'est. Ouais. Alors pour toi, c'est assez simple. Hein. C'est des changelins. C'est un changelin. Et les changelins, ils ont déjà essayé de renverser le royaume déjà par deux fois par le. Alors t'étais pas sur place pour voir le truc, mais tu sais que c'est les changelins qui se nourrissent de l'amour des gens. C'est-à-dire ils prennent l'apparence d'une autre personne et ils se nourrissent de l'amour que les gens ont pour cette personne. Ah ouais, avec Pinkie Pie et Twilight, ils doivent se baffrer en ce moment. Bah ils vont avoir du mal à ressortir vu qu'ils sont tous obèses.
Et donc, c'est des poneys qui sont considérés comme maléfiques et qui ont pour but de récupérer tout l'amour et autres des Kestria pour leur propre compte, pour se nourrir en fait. C'est horrible. Tout l'amour que j'ai pour toi, papa. Ouais, c'est horrible, je confirme. Ouais, bah écoute, il y a moyen de s'en prévenir de leur volage d'amour. Un pieu dans le cœur. Pas que tu connaisses. Ouais. Et qui les a défaits la première fois? C'est Princess Twilight? Ouais. Comment? Donc, il faut s'ils prennent la forme de la Princess Twilight et que c'est pas elle qui a fait le discours, elle est quelque part, faut la trouver. Bon sang, mais tu penses que c'est ça? Ils auraient pris la forme de la princesse Twilight, ça expliquerait le disque qu'elle aurait tenu et qui ne ressemble pas. Bah peut-être aussi la forme de Pinky. Alors la question est-ce qu'on y va franco sans prévenir qui que ce soit, ou est-ce qu'on va en ville éventuellement chercher des conseils auprès de quelqu'un qui pourrait nous dire comment vaincre son... Bah écoute, on est dans le château, elle est forcément dans le château, devant. Vu qu'on l'a pas devant vu ailleurs, château. Donc... De toute manière, ouais. On a des sacs, on peut y aller. Ouais, bah attendez. Ah bah si on a des sacs, bien. La question est, on fonce maintenant dans le tas sans savoir ce qu'on va faire, mais avec un enthousiasme phénoménal, ou est-ce qu'on va chercher éventuellement conseil auprès de quelqu'un qui éventuellement peut nous dire comment ça s'est réglé? Je trouve que tu présentes le plan de façon un petit peu biaisée. T'es en train de dire que la première partie du plan, enfin le premier plan proposé serait risqué, dangereux et aléatoire. Merveilleux, on commence quand? Bah oui. Il n'y a aucune chose que cela échoue. Après, n'ayez pas peur, on sera là pour vous protéger. On est amis, on est tous ensemble. Voilà. Et on a tous ensemble, rien ne peut nous résister. Alors, je vous signale quand même qu'on a passé toute la soirée devant la porte et qu'on n'est toujours pas rentré dedans. Hein. Oui, mais c'est une grosse porte. Maintenant, on a une bonne excuse. Il faut sauver la princesse. Donc, après, on va réussir. Peut-être mobiliser les villageois pour qu'ils nous aident et on envahit le château. Et est-ce qu'il n'y a pas d'échange là avec les villageois? Peut-être, on n'en sait rien. Ah mais je sais pas. Nous, on n'en est pas, on le sait. Mais les autres. Est-ce que t'en es sûr? Ça se trouve parmi vous, il y en a un. Ok, a joué vachement bien aujourd'hui, c'est louche. On s'est séparés à un moment. Hein. Il y en a un, c'est l'écureuil, hein. Toujours. C'est toujours lui qui joue les bâtards, hein, donc. Ouais, mais ça, c'est bête. Mais je joue toujours bien joué. Non mais attendez, on s'est séparés à un moment ou à un autre, on ne peut pas être certain qu'il y en a un qui était remplacé. Ah bah si, il suffit qu'on dise un truc, nous seuls sachons, loin dans le groupe. Bah, elle nous a partagé, donc peut-être que c'est effectivement pas elle. Ou qu'elle est contrôlée en fait. Alors, je propose un truc, je suis certain que Eddie va être d'accord là-dessus. On se définit un mot... qu'on connaît que nous 5, 4, et si on dit, ça veut dire que c'est nous. Et je bizarre, ornithorynque. J'en étais sûr, putain. Ah, commence. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais comme idée que ça serait ornithorynque. Ouais, Célène, c'est parce que c'est un peu le mot qu'ils utilisent sur toute leur partie. D'accord. Moi, j'avais pensé supercalifragilisticexpialidocious. Ornithorynque, c'est pas être joueur. Ouais. Ou alors, Platypus The Oblivion. Mais bon. Non, mais ornithorynque, c'est pas mal comme mode d'alerte. Ah oui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Oui. Bah, si on a un doute, on demande à l'autre, dit le mot magique, et s'il répond pas ornithorynque, c'est que c'est pas nous. Mais bon, si on a entendu quelqu'un dire le mot magique. Oui, ah non, mais attends, il faut que ça soit... Attends, le truc, parce que c'est trop facile. Il faut que ça soit un double mot, tu sais, il faut que ça soit un mot puis une réponse, parce que... Eh voilà. Bah tu dis ornithorynque et tu réponds super quali. Et je réponds coin-coin. Ornithorynque coin-coin, voilà. Il y a un poney qui passe à côté de vous, qui vous regarde bizarrement, puis qui continue son chemin. Alors attends, il fait quoi ce poney? Il y a des poneys qui se baladent au milieu de la nuit?
Bah oui, ça arrive, bah, hein, mais... C'est un Pégase, c'est un peu la fête, et... C'est celui que j'ai vu ? Non. Et... Il est jaune avec des cheveux roses. Et oh, bah, il Dieu, rentre dans le château. Faute de goût. Et il rentre dans le château ? Ouais, comment par, une, il des par une des fenêtres. Alors, attends. Ça, ça sent quand même une méga invitation, hein, quand même. Hein. Enfin, le jeu veut qu'on y aille, hein. Non. Non, non, non. je vous dis qu'il y a un truc qui rentre, c'est tout, hein. Et qui vous voit en train de vous taper la discute, c'est tout. Moi, je dis que c'est ainsi. Ça va être dur quand même que vous puissiez passer par cette fenêtre. Hein. Alors, si c'est pas ah non, un signe, mais si c'est pas un le plus agile que je connaisse. Oh. T'as une corde, tu attaches la corde au balcon et mieux on grimpe et après on passe tous par la fenêtre. Bah, tu sais quoi, tu rentres par la fenêtre et tu vas nous ouvrir la porte. Ouais, mais si elle tombe sur un changelin entre temps. Bah, c'est ça, et puis je connais pas le château. Eh bah, ouais, tu mais la corde c'est bien. Et du coup, si on Non mais vous allez grimper. Bah oui, par la corde. Bah oui, avec la on corde. On met la corde avec. Ouais, là, parce que sans la corde, ça va être compliqué. Hein, parce que et quand tu vois et le château, pour te motiver, si jamais tu grimpes, on fait grimper et qu'il y aura le dernier. Parce que comme ça, si tu tombes, tu tombes sur l'écureuil et sur ça. C'est l'explication la plus what the fuck que j'ai jamais entendue. Donc tu vas le faire. Ah bah vas-y, fais ton plan, tu y es... Tant que tu nous fais rentrer, on prend. Je discrètement, hein, je vole avec la corde, puis que j'attache voleur, le bien. Tu voles l'air décontracté, c'est ça? Mais en fait, là, je vérifie qu'il n'y a pas Rainbow Dash. Tu peux répéter, j'ai pas compris ce que t'as dit. Je vérifie qu'il n'y a pas Rainbow Dash. Bah, de toute façon, tu vas me faire un jet en fait sur ta compétence de vol pour être discrète et pas te faire griller par Rainbow Dash en fait. Ça devrait aller. Oui, bon bah 6, hein. Ouais, écoute, pas de soucis. Elle est de l'autre côté du château et a priori elle vient aussi de re-rentrer dans le château par une autre fenêtre. Eh bah, c'est parfait, je profite de la fenêtre, une de celles que j'ai vues, pour balancer la corde proprement. Laquelle des deux? Celle de gauche. Non, mais laquelle? Celle où est rentré le poney que vous avez croisé ou celle où est rentré des Rainbow Dash? Le poney qu'on a croisé. Ok. T'arrives devant la fenêtre et le poney en question, a priori c'est une chambre et il est en train de donner à manger à des animaux dans la chambre. Je bouge et je cherche une autre fenêtre. Qui ne soit pas celle de Rainbow Dash parce qu'il y en a plusieurs qui n'avaient pas de vitres. Donc, bah t'en trouves une autre. Qui soit inoccupée. Aussi. C'est une chambre, mais il n'y a personne. Bah elle est très bien déclarée. Maintenant, j'attache... Qui brille. J'attache la corde solidement, et puis la fais descendre. Ok, pas de souci. Et puis, autour de moi, je vais demander à mes copains s'ils ont une corde, puis je vais me mettre comme un armé autour pour pouvoir, en plus de ça, les tirer. Pendant okay, pas de pour aider à les... Pendant qu'ils pas de souci. Non, il n'y a que toi qui vole. Oui, mais si eux, ils n'arrivent pas à tenir à la corde, que je ralentisse leur chute. Ouais, j'avais compris. Ok. Bah écoutez, vous montez à la corde, un petit jet quand même de... Bah oui. Sport 2. La difficulté est de 2. Je reste, bon, je reste pour dernier pour aider les premiers à monter, en fait. Que je suis costaud. Là, j'arrive à monter. Après, je suis la télékinésie pour je savais que j'aurais dû acheter cette échelle. Ouais, alors là, l'échelle n'aurait pas été assez grande quand même. Hein. D'accord, je veux bien, mais l'échelle, si tu regardes l'échelle de l'image que je vous ai donnée, voilà. Bah, c'est pas une grande échelle. Oui. Bah, faut demander à des pompiers. Attends, il y a une échelle sur l'image? Ça passe? Eh ben, on l'utilise. C'était obvious. Je vois que t'as pensé à la même chose que moi. Alors, bon, bah vous êtes tous en haut, a priori, hein. Non, il manquait Curie. Ah non, il y en a qui... Ouais, Curie n'a pas encore fait son jet. Alors, j'étais en train de voir si j'ai pas utilisé la télékinésie, mais j'étais d'abord utilisé le mind, enfin le body, je veux dire. Bah voilà, ça marche. On est bien. Bah, on voilà. Est là. Nos stress. Alors, vous êtes dans une chambre qui est plutôt joliment décorée, avec plusieurs robes, des joyaux à sertir, enfin, ça Michel brille pas mal. Il brille.
lumière. C'est la plus belle shop que j'ai vue en fait quand j'ai fait le tour. Ouais, c'est l'idée. C'est je crois qu'on est dans la shop de la princesse. Hein. T'es en train de sautiller comme un poney sous extasie. Oh. Bah, je regarde partout. Ouah, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est classe, c'est classe. C'est pas sûr que ce soit la chambre de la princesse vu qu'il y a aussi pas mal de trucs pour faire de la couture et autres. Mais bon, c'est toi qui vois. Mais ça a pas l'air d'être. C'est pas les couleurs de la princesse, c'est plutôt dans le violet. Hein. Mais il y a des qui brillent partout. Hein. Enfin, le violet foncé. C'est pas des écureuils que t'aurais dû avoir, c'est des pies. je commence à fouiller partout. Pas faux. Bah écoute, tu fouilles partout et bah clairement t'es dans un atelier d'une couturière qui fait des robes. Bah moi je colle mon oreille à la porte, j'essaie d'écouter s'il y a du bruit dans le couloir et si j'entends rien, bah je vais sortir et regarder s'il y a quelqu'un et puis commencer à me promener dans le couloir. Et bah tu te promènes dans le couloir, y a pas un bruit dans le château. Et j'y vais en mode poney commando, super discret, limite à ramper au sol. Ok, vas-y, fais-moi un jet de... Personne d'entre vous qui saurait ou pourrait loger la princesse d'en haut? Bah sûrement pas loin du grand balcon. Je suis en train de regarder tous les boutons. Ça a l'air passionnant. Ils sont tous, la plupart, sertis d'une gemme. Ah, puis regardez celui-là, puis regardez celui-là, et puis celui-là. Ah, mon âme s'est fait de plus en plus. Il nous fait une acné, une crise de boutons. Ok, fais-moi un jet de corps à la personne qui s'infiltre. Et par contre, j'ai pas entendu ce que tu fais, monsieur Obi. Bah, j'ai fait mon jet de corps. Bah, écoute, t'avances discrètement. Et t'entends pas un bruit pour l'instant. Moi je suis, je pense, tranquillement. J'essaie d'aller... J'assure les arrières, quoi. Pardon. Je vais essayer d'aller vers la zone où j'ai vu rentrer la fenêtre avec les rideaux à partir de là. Toi tu fais quoi? J'ai pas entendu Obi en entier. La phrase je couvre les arrières. Ok. C'est-à-dire que tu restes dans la salle avec la personne qui fait qui brille et l'autre qui fait pas grand, qui fait rien d'autre. Parce que alors, tu pardonnes plus que fait long. Je vais pousser le mec qui brille. Et je vais lui dire que ça brillera ailleurs, hein. Et voilà. Et puis j'attends de voir ce que fait Ocarina. Ocarina va suivre Claudimard en fait pour essayer de déterminer, enfin pour l'aider. Ah moi en fait j'ai fourré plein de boutons dans mon sac à dos. Hein. Ça s'appelle du vol. c'est pas très honnête ça. Non. C'est pas grave, vous êtes déjà entré dans une propriété privée, je veux dire. Ça après, non? Ah non, non. Nous avons une bonne raison. C'est pour sauver la princesse. Exactement. Si ça se trouve, les boutons, ça participera à sauver la princesse. Eh bien, de toute façon, t'as commencé à te barrer, hein. Regarde, si le grand méchant a un top, ouais, mais... tu balances les boutons par terre et il va se baisser pour les ramasser et les trier. Bon, ça va, on a le temps de s'échapper. Dans tous les cas, j'ai l'impression que l'écureuil se prépare à une guerre des boutons. Si j'avais su, j'aurais... Ouch. Il s'appelle comment ton poney d'ailleurs avec Kevin? Naughty Pest. Naughty Pest. Non, ça me rappelle quelque. Bah du coup, Naughty Pest, il faut que tu... Nous ne devons pas abandonner les autres. Il y a des qui brillent. Ouais. On avance. Ok. Ouais. T'as retrouvé là où tu avais perdu la dernière fois Pinkie Pie. Et la déco du château qui était là très cristal et autres commence un peu à changer. Il y a des espèces de fluides gluants verts sur les murs. C'est assez. Ok, assez bah, je regarde si mes copains et copines me suivent. Je n'ai aucun doute, ce sont des amis. Et tu te retournes, ouais, il y a bien trois personnes derrière toi. Oui. Dont une qui est en train d'être traînée. Ah non, une fois que je suis sorti de la pièce, ça va. Hein. Ah d'accord. Ah. Par contre, quand il marche, on entend gling 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 gling.
Je pointe de l'aile les trucs gluants. Je fais, c'est là où j'ai vu Pinkie Pie et que je l'ai plus vu après puisque bah il y a des rideaux à la fenêtre là. Mais ça n'a pas l'air agréable ce truc. Je touche du sabot parce que je suis curieux. Bah, c'est gluant et ton sabot il est collé. Et j'arrive à le décoller. Bah, fais un jet de body pour voir. Fais un non. Pas de soucis, tu décolles. Aucun problème, ça colle à peine en fait. Écoute... Ouais, mais je pense que c'est les résidus de Pinkie Pie en fait. Bah, ouais. Ça fait ça les confettis. Alors attends, c'est confit en tout cas. Vu ce qu'on vient de trouver là, je serais pas surpris qu'on trouve des lasagnes dans la cuisine maintenant. Hein. Pourquoi pas. Désolé. Je ne sais pas quoi dire. Dans ce cas, ne dis rien. Bon bah, avançons, puisque nous sommes d'accord. Tout à fait. Et on pourrait peut-être aussi appeler à l'aide. Hein. Bah... Quoi faire? On est déjà que... Rien ne peut pas se passer. C'est nous l'aide. Voilà, en plus. De toute façon, si vous voyez un changement là, tac, coup de boule, et puis on est parti. On sait même pas comment les affronter. Hein. Bah, si tu tapes plus fort qu'eux, tu gagnes. Ouais. Donc vous continuez à avancer? Bah ouais. Bah oui. Ok. Ça va, plus cette espèce de truc gluant, bah il y en a un peu partout, sur le plafond, sur les murs, ça limite, ça, de plus ça va, plus ça remplace, Il y en a au sol la superbe tapisserie. Ça a l'air de couler, ça a l'air de couler. Non, ça a l'air d'être un peu solide et gluant. Mais je veux dire, ça a l'air de venir du haut et de descendre vers le bas, ou ça me remonte, ou ça... Non, plus, tu sais pas trop. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est un peu gluant mais appétissant? C'est pas du tout appétissant. Bon. Je l'avais. Mais dans tous les cas, a priori, vous entendez en fait des voix dans une salle non loin. Est-ce qu'il y a de l'espace pour voler dans ce couloir? Oui. C'est des grands couloirs assez larges et assez hauts de plafond, ce qui fait que tu peux en effet voler. Oui. Et les portes, elles vont jusqu'au plafond ou pas? Les portes pour la pièce. Alors des pièces non, mais les là où t'entends du bruit, ouais c'est une arche et donc ça va jusqu'au plafond. Ah bon bah écoute, dans ce cas en volant, je vais voir en haut comme ça, mes camarades pourront tranquillement voir depuis le bas, puisqu'ils sont beaucoup plus terrestres que moi. Ils planent assez haut, c'est ça. Pour planer, elle plane. Dans tous les cas, si vous approchez pour écouter ce qui se passe, je vais vous demander un truc pour faire. Vous demandez un équivalent d'un jet de discrétion, donc en body. La difficulté est à 3. Ouais. Pour ceux qui veulent s'approcher, écoute. Eh ben, approchons-nous. Bim! Waouh! Bah, moi, je pense que mon vol, c'est pas top. Ninja! Hein. Non. Je dépense un point de friendship. Vas-y, relance. Ouais, moi aussi, enfin, parce que là, c'est ouais, pas... C'est pas cool. Vas-y. Bah après, vous pouvez me laisser aller en avant aussi. Hein, voilà, c'est bon. Et puis moi, je reste derrière. Je reste derrière pour surveiller les arrières, histoire qu'on se fasse pas attaquer. Bon, il y en a un qui va se faire rigoler, quand même. Hein. Donc si j'aimerais placer plusieurs points de friendship pour le même jeu. Ah oui, complètement. D'accord. Y a pas de... Je y a pas... relance, pas vu qu'il a été... encore. Ce que tu veux, hein, moi... C'était bon, je me fais gauler, c'est plus sympa. C'est plus rigolo si je me fais gauler, c'est plus... Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord... ça dépend pour qui. ce qui se passe dans la salle, c'est que le poney, là, qui était jaune avec sa crinière rose, est en train de faire « à l'aide !» qui parle assez pas fort, en fait, mais écrit « à l'aide », en fait. Hein, enfin, écrit « à l'aide » fort. Et autour, il y a deux changelins qui sont en train de lui mettre une espèce de cocon autour qui se retourne quand Ocarina
bah, fait tomber son ocarina, justement, qui roule au sol. Donc les deux changelins se retournent. Et con, la joie. Et se transforment respectivement en Twilight et Pinkie Pie. Et bah, vous, bah, fonce vers vous, en fait. Haha. Bah oui, parce vous que êtes tu démasqué. Bah, on peut foncer. Bah oui. Je vais faire la même. Je vais faire un piqué du ciel. Les deux sabots en premier dans la tête. Et puis voilà. Ok. Ouais, je me mets en position au centre. Et mon but est d'assommer un changelin. De toute façon, vous allez me faire un jet de body et eux aussi. Hein, et ça va être au gagnant. Bah non, moi je vais dépenser 3 tokens. Ah oui, d'accord, ok. Oh, carrément, ouais, joli. Bah, il y a un changelin par terre. Ouais, j'ai fait un bon jet. Ouais, je vais dépenser un point de friendship. Hein. Courage, j'ai dit courage. Bon, contre Ocarina, c'est le changelin qui gagne. Merde. Et pareil contre... Alors, je vais refaire un autre truc. J'invoque des écureuils pour soutenir mes petits camarades. Après avoir assommé le mien, est-ce que je peux profiter de mon momentum pour aller aider mes camarades? Je finis. Les écureuils, ça aurait été cool de le lire avant qu'ils lancent leur dé. Voilà. Parce que bon, là, ils ont quand même craqué avec tous les dés. Je suis derrière. Vas-y, fais-moi un des 6. Ouais. Pour les écureuils. Et 4. Ok. Bah, c'est simple, hein. Il y a un changelin qui est assommé et l'autre, bah, vous vous mettez tous dessus pour l'empêcher d'agir. Hein. Mais vous avez du mal. Il se laisse pas faire. J'ai fait un 8. Ah ouais, ça se débat, ces bêtes-là. Je vais aller aider le poney jaune pendant que mes camarades s'occupent. Après, parce que lui pourra nous aider. Les deux ont l'apparence de Twilight et Pinkie Pie. Hein, ils sont transformés. Oui, oui. Même celui qui a assommé. Ouais, les deux sont restés transformés. Même assommé. Oui. Ok. Bah écoute, avant d'aller libérer le poney jaune, je vais chercher de la corde des rideaux pour attacher le changelin KKO et aider à attacher le deuxième. Ok, ça me va. Je suis un volant, je fonce pour aider mes camarades. Je suis la princesse, pourquoi vous me faites ça? Et moi, je suis son amie. Ah bon, dans tous les cas, ouais. Bon, y en a... ouais, c'est vrai qu'il y en a qui parlent pas, ok. C'est même pas vrai, vous êtes des méchants. Comment je m'appelle? Ah ah, tu sais pas? Ben voilà. Oui, donc, vous libérez Fluttershy, bon, elle se présente, hein, Fluttershy. Ouais. Bah, on défonce là, celui qui est pas attaché. Oh bon, les deux sont attachés. Les deux étaient attachés. Hein. Oui. Ah d'accord. Okay. Non. Est-ce que Fluttershy pourrait nous dire ou savoir où serait détenue la véritable princesse? Bah en fait, vous remarquez que vous êtes dans la salle qui doit être la salle du trône. Il y a une espèce d'immense carte au milieu avec 6 trônes autour. Et elle vous montre le plafond et vous voyez sur le plafond 5 cocons. Ah. 5. Bah il y en a 3 de plus. Bah je vais voir si je peux réussir à les décrocher. S'il y a d'autres trucs. Si c'est la salle du trône, il y a peut-être des armes de trucs pour les faire tomber au sol. Non. Mais par contre, Fluttershy va t'aider parce qu'elle peut voler aussi. Oui. Ouais, et puis moi j'ai télékinésie, je peux toujours amortir la descente des cocons. Bah, moi, Eddie, et au pire, on peut se mettre en dessous si jamais vous lâchez un cocon, et que c'est pas coton. Avec des... On peut essayer de récupérer. Oui, je avec vais... un rideau en bas, là, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bah, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va aller taper les cocons, ils vont tomber, vous les récupérez, hein. C'est plus pratique. Ouais. Parce que, je vais taper du coco. Oui. À pas confondre avec taper du coco, qui est pas du tout la même chose. Ouais, c'est... C'est mal. Et taper du concon, ça marche aussi? Ah, je sais pas. C'est-à-dire que t'as pas fini de taper, quoi. Bon, dans tous les cas, vous libérez les cocons un à un. Donc, dans les cocons, il y a les 6 poneys, en fait, du dessin animé. Donc, il y a Pinkie Pie, il hein, comment ça s'appelle, Jack, Rainbow Dash, Rarity et Twilight.
La question, c'est est-ce qu'on libère réellement Pinkie Pie ? Est-ce que c'est pas le seul cocon qu'on devrait garder, quoi ? Bah, est-ce qu'on arrive à identifier de l'extérieur ? Non, c'est celui qui est couvert de confetti, je pense pas. Hop, je mets l'image, hein. Bah, en gros, vous les libérez, et bon, bah, elles sont un peu groggy, hein, clairement. Ouais. Bah, écoute, je leur donne à toutes une pomme d'amour pour qu'elles se remettent un peu. Alors, est-ce qu'elles sont libérées ou délivrées ? Un petit peu. Bah, donc, ça veut dire qu'il y a 6... Bah, tu sors. Et ça veut dire qu'il reste 4 choses là. Bah, il y a la princesse qui te fait non. Non, non, il y en a plus que ça. Il y a... Bah, en fait, il restait peu, a priori... Quand ils m'ont capturé, ils m'ont dit qu'il y avait. Te donne le nom de toutes les grandes villes de Poneyville qui sont déjà. Enfin, des caisserias qui sont déjà tombées là. Ah. C'est une guerre! Non, mais moi je parlais dans le château. Parce qu'on en a assommé deux là. Ouais. Bah, il en reste donc. Trois. Bah, il y en avait six. Bah, ils sont six, elles. Mais il y en a qu'une qui n'avait pas encore été capturée. Ah. Bon! D'accord, bah il faut trouver les trois. Ouais, peut-être les plus. Après, on se débarrasse dis, comment ils sont plus nombreux. Bah, elles te disent, écoute, nous on va invoquer nos éléments d'harmonie et on va s'en débarrasser. Donc bah elles essaient d'invoquer leurs éléments d'harmonie. Et bah ça fait, enfin il y a rien qui se passe quoi. Bah, on peut vous aider. Tu voulais te regarder bizarrement en fait. Nos éléments d'harmonie. On en a pas nous aussi. Regarde un peu bizarrement. Ah si. Ah bon, c'est... Ah oui. Ouais, mais nous on peut les invoquer. Pas puissant, mais... D'ailleurs, je sais pas comment on le fait pour invoquer la vie en fait. Des cocons. Tu bah, en même temps, vous voyez ce qu'elles font, donc vous pouvez essayer de faire la même chose qu'elles. Ouais, mais moi je les aide. Bah oui. Oui, bah waxing, wax off, et puis on essaye. Hein, c'est voilà. Ça. Ouais, exactement. Manque ici, manque. Bah, comme tout, contre toute attente, vous vous retrouvez affublé de comment ça s'appelle d'armure d'or. Bah, non, pas d'armure d'or, mais c'est un peu l'idée. C'est plutôt des colliers et vous provoquez une espèce d'énorme vague. Comment ça s'appelle ? Ouais, c'est ça, des vagues arc-en-ciel qui capturent en fait tous les. Tous les changelins qui sont dans Poneyville, et il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y en avait dans la ville aussi. Hein. Et ils se retrouvent dans une espèce de bulle multicolore. Je pense que le chef d'orchestre en était un. Et par contre, il y a Twilight et les autres qui vous regardent, genre, mais c'est pas normal. Parce que c'est eux, ils ont peu accès à leurs pouvoirs, et vous avez accès à des pouvoirs que eux avaient. Jalouse. Et c'est sur ça que se finit. Attends. Je danse la moonwalk. C'est le moment d'aller frimer en faisant sortir la princesse en se tenant à ses côtés sur le balcon. Oui. Le truc, c'est que je reste sur un cliffhanger, tu vois. Ah, voilà. Ah, ouais, alors, parce que j'aurais bien aimé faire un concert sur le c'est surtout un cliffhanger pour elle, hein, pas pour nous en fait. Hein, parce que... Un cliffhanger. C'est-à-dire, c'est... Invoquer l'esprit de Stallone dans mon petit poney, c'est moche quand même. Dans tous les cas, c'est sur ça que ça s'arrête ce soir. Merci aux gens qui ont écouté, qui nous ont écouté ou qui vont nous écouter. Abonnez-vous, tout ça. The friendship is magic. Voilà. C'est vraiment un dragon stupide en fait. C'était un changelin et c'est le compagnon c'est le compagnon de Twilight, le compagnon dans le sens ami, hein. Pas autre chose. Ok, bah j'arrête les enregistrements donc au revoir les gens, tout ça. Bonne nuit. À la prochaine. Bonne nuit. Et dormez bien.